Vous trouvez pas ou pas, vous trouvez ou pas les mecs sur serveur? Allez, la scène s'il te plaît. Allez. Attends. C'est juste pour avoir la voix de John Lacey. Il est important de parler un peu comme ça, oui. C'est une voix un peu plus grave. Oui. Mais je me retrouve ici tout seul, perdu dans cette forêt. Il faut absolument que je retrouve un malandrin. Allons-y. Pas de fragilité ce soir, les gars, on change, on varie un peu. Là, j'avoue, la dernière fois, on était full fragile. Qu'est-ce qu'on fait? On montre qu'on a un peu les crocs. Même limite, ça faisait chier le gouverneur, là. Ah oui, c'est vrai, mais on en a un pote. On a un pote de... On a un allié, les gars. J'avais oublié. Et ça continue les dons, les gars. Je vais devoir muter. C'est n'importe quoi. Merci, merci. Bon, c'est dur de tous vous citer, parce qu'il y en a tellement qui ont fait des gros dons. Entre Joe le pirate, voilà. Bah. Le dernier en date. A5 aussi. Putain, vous déchirez. Rezou, Jésus, il y a qui d'autre? Franchement, vous avez assuré les mecs sur ce live. Sancho le Cubain, merci beaucoup, la popo, toujours là. On veut du John Lacey avec des pensées vraiment obscènes. On va voir. Au pire, ce que je peux faire, les gars, au pire, parce que des fois, vous avez vu, ils montent en ego assez rapidement. Au pire, ce que je fais souvent aussi sur Lovo ou quand je joue à un RP. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Merci, Suko. Faudrait que je pense à muter. Parce que si l'autre, il revient, là, il envoie des subs à foison. Et merci, Isuko, qui s'abonne sur D-Live. Sur D-Live, je sais pas comment on mute les alertes. Et YouTube, les gars, vous avez en description, sur YouTube. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Bon, allez, les gars, on y va. On va se concentrer. Et il offre un sub en plus, Isuko. Merci. Vous la connaissez? C'est une fille ou non, c'est Isuko que vous connaissez? C'est la fille ou c'est un garçon, lui? T'avais sympathisé avec le plus discret, tu devais lui ramener de la femelle. Est-ce que t'as déjà léché? Ah oui, c'est ça, la suite. Rappelez-moi, les gars. Oh non, putain. Oh non. Encore un autre qui offre des subs. Merci beaucoup, Isuko. C'est très gentil. Tu peux attendre parce que là, en fait, j'ai la flemme d'aller muter les alertes sur. Sur D-Live, tu peux faire tout ça après. Je te fais un gros bisou en tout cas, merci. Merci. Et sur D-Live, ouais, c'est ceux qui ont de la crypto, pour faire des dons, c'est plus simple de placer par D-Live. Voilà, voilà. C'est qui Isuko en fait? Merci beaucoup en tout cas. Ah, c'est une fille, mais c'est vrai, mais vous la connaissez? Elle est dans le trombi ou pas? Présentez-moi les gars, elle est gentille. Ah, elle présente bien en plus. Bah, en tout cas, elle est très généreuse en plus de bien présenter. Et merci pour le soutien, c'est très gentil. C'est bon, maintenant. Ah, c'est un... Quoi? Un Yel? Une Halel? On la connaît de chez Luta. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit ça la dernière fois. Excusez-moi. Merde, j'étais en train de dire oui. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Oh putain, ce qu'ils mettent sur D-Live. Merci à FranceSally07 qui en... Mettez-moi des ski fucking quoi, les gars, dans le chat? Ski fucking, ski fucking! Sortez vos sages de combat dans le chat superflu. On remercie bien sûr. Oh putain, FranceAli07. Skimette. Même les youtubeurs, ils sont en train de mettre des skimets pour les gens qui donnent sur D-Live. Bon là, franchement, jamais j'aurais cru ça, quoi. La paix des ménages sur la Rius TV. Ont-ils évolué les singes? Non. Je vous les mettrai à l'antenne tout à l'heure sur l'écran de standby. Là, en attendant, les gars, il faut qu'on aille chercher des gens avec qui jouer. Du coup, c'était un... Grosse flambeau, les gars, dans... Une jute pomme, les gars, Carkill. Carkill en meeting, en meet-up. Carkill en meet-up à la jute pomme. Je rappelle que j'organiserai dans l'année, les gars. Bon, là, ça a l'air de se calmer, le corona, tout ça. Peut-être que je vais me chauffer, les gars, pour organiser une rencontre avec vous. En espérant qu'il n'y ait pas un jus de pomme bis qui tente de nous carquiller. Parce qu'il y en a qui s'en rappellent encore il y a 2 ans. Voilà, il avait le lieu de rendez-vous, il s'apprêtait à nous carquiller, en fait, lors d'un meet-up. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de cet épisode malheureux. Heureusement, au dernier moment, on a changé nos plans, on est allé. Dans un autre resto, on n'est pas allé à Choisy-le-Roi, mais à Créteil. Et voilà, c'est ce qui nous a certainement sauvés. Je sais pas s'il y en a qui étaient là ce jour-là. En tout cas, voilà.
Ouais, Chanis, ouais, il comptait. En fait, en gros, il a balancé le lieu de rendez-vous. Il s'était infiltré dans les mails avec qui j'envoyais des mails. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. J'avais laissé un mail pour ceux qui voulaient. Et voilà, il avait eu l'information. Il s'était infiltré et il avait donné le lieu de rendez-vous à tous les détracteurs de Smule à l'époque. Ouais, un vrai baiser, les gars. Mais voilà. Il a changé, les gars. Entre temps, il est allé en hôpital psychiatrique. Il est revenu sur le stream, les gars. Voilà. Non, je sais pas ce qu'il avait comme voiture, une petite citadine, je pense qu'il voulait nous carquiller dans 107. Grosse lambeau dans vos gueules, les gars, les youtubeux, merci FrançaisAdi07. C'est un niqué. Bon, attendez. Bon, du coup, je vais où alors? Je retourne à Saint-Denis ou je vais à Valentine? Parce qu'à Valentine, il y a l'air d'avoir. Attends, je vais envoyer. Voilà, je vais mettre V, comme ça on sera tranquille et comme ça je peux vous parler. Mais, avance! Ouais, c'est des malades, ouais. C'est des malades, ouais. Blackwater, on retourne voir le Renoir, là? Je sais pas, on va voir les hors-la-loi? Les gens changent, les temps changent, les gars, donc... ouais, Mills, ouais, bien sûr. Vroom, vroom. Non, laissez-le, les gars, il est revenu, il s'est même abonné, etc., donc... voilà, je me dis, ouais, peut-être qu'il avait vraiment... Il avait des soucis. C'est devenu un Yes Life, maintenant ouais, il essaie de s'en sortir, il essaie de travailler. Il a quitté un peu le monde de l'internet. Voilà, envoie des lambeaux. Merci beaucoup, France Ali. Du coup, si Nkalo revient, est-ce qu'on l'accepte? Bah déjà, qui rend l'argent surtout, hein, qu'il avait promis. Qui était dû, hein, qui m'avait dit. Il m'avait dit qu'il allait me rendre mes 200 euros, c'est qu'il m'avait dit ça. Il m'avait promis et... ouais, peut-être qu'éventuellement on discutera, quoi, parce qu'il m'a fait une Anis Treska, on va dire. Anis Treska, contrairement à lui, lui au moins, Anis Treska, il a remboursé, quoi, à l'assaut. Isuko, c'est une malade. Comment ça, Isuko, c'est une malade? Après, il a parlé à Choupa en secret, parce que quand je l'ai parlé, je pense qu'à mon avis, il lui a dit, il a dit à Choupa, et Choupa m'a clairement dit que non, et en gros, il va pas, il allait jamais me les rendre. Et il s'est confié à Choupa en disant, ouais, j'ai la haine contre Ryuz, etc., pourquoi il pense à moi, etc., enfin bref, il parle, enfin voilà, quoi. J'ai un moment, il faut que t'aies des principes, quoi. Ouais, Nkalo, ouais, on a montré un clip dernièrement, ouais. Bon, après, on n'oublie pas les gars ce qu'il a fait, on n'oublie pas quand même sur la Rius TV, il a quand même, on a eu des bons moments avec lui. C'est juste qu'il a pété un câble, ça lui est monté à la tête, il pensait percer. Le coup du ban, il l'a mal vécu. Le pire, c'est qu'à un jour près, il se faisait des bans. Donc il a lancé. En fait, il était. Quand j'ai commencé. Putain, France Ali qui ne s'arrête jamais, les gars. Skibé ! Check Rakaï, frérot, merci beaucoup. Lambeau dans vos... on va pas rouler quand même sur les abos, hein. On va rouler sur les détracteurs plutôt. Ouais, en gros, il y en a qui sont peut-être pas au courant. Ouais, il avait... ouais, il pensait percer, quoi. Parce qu'en fait, il reprenait ce que je faisais, quoi. Contenu Lovo, je sais pas si vous en souvenez, les gars, c'était... bah, il y a tout juste un an. Quand j'ai été banni, je sais pas si on s'en souvient, quand j'ai été banni, bah il était en overbuzz, faut dire la vérité les gars. Quand j'ai été banni, il a vraiment pris le relais, ouais, bon, il m'a pas spécialement demandé si, voilà, ça aurait été plus cool de me demander avant, mais du coup, il a fait exactement ce que je faisais, bon, il y a pas que lui les gars. Et du coup, ouais, il a commencé à monter en viewers, au point d'avoir 600, 700 viewers, je sais pas si on s'en souvient. Et ouais, bon, il a profité, on va dire. Il a profité et il avait des dons, il avait beaucoup de dons même. Et sur ses lives, il disait, ouais, vous en faites pas. Il y en a qui pensaient que c'était du troll, mais lui, moi, quand j'ai vu les extraits, il le disait très très régulièrement, ouais, vous en faites pas, je filerai la commission à Ryuz, quoi. Et il m'avait dit en DM, oui, t'inquiète. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé au bout de... Ah putain, c'est qui, c'est les... Bonjour. Il m'entend? Bonjour.
Et je pense qu'ils m'ont pas entendu. Et ce qui s'est passé, et du coup, ouais, il pensait vraiment percer, il était à fond et tout, et du coup, il a pété un câble, quoi. Comme il s'est fait ban Twitch, pour en plus d'un truc de merde, quoi. Et je crois qu'il avait montré des. C'était quoi le ban qu'il avait eu, les gars? Quelques drops sur D-Live. Ah merde. Je crois que c'est le site. Ah ouais, merde, D-Live en PLS. Oh non. Sérieux? Allez sur YouTube, les D-Live au pire. Regardez, restez sur le chat, mais allez sur D-Live. Et ouais, une fille avait montré un téton. Donc il se prend ce ban. Mais je crois qu'il se prend, un ban, un mini ban au début, mais après il s'en prend un autre, je crois. Pour la même raison. Et du coup, Twitch lui met un temps. Un plus gros time out. Et lui, il pensait qu'il était ban longtemps et qu'il allait pas se faire des bans. Et en fait, à un jour de son déban, ce con, il a lancé un live. Et il a pété un câble, les gars. Il a commencé à insulter les homosexuels, les juifs. Il a mis un porno gay sur son live. Il a insulté tout Twitch. Je vous cache pas que ouais, c'était bizarre de le voir dans cet état-là. Moi, j'étais un peu choqué. Alors, premier ban pour le fond d'écran et le deuxième ban, c'est parce que la fille a montré son téton. Ouais, en plus, je lui ai dit, hein, c'était cramé que les gars. Son fond d'écran, c'était cramé que les gars que Twitch n'avait pas laissé passer. Il est débile d'avoir fait ça. Franchement, il aurait pu. Il aurait pu être un bon streamer satellite de la RiusTV. Mais il s'est mis une balle dans le pied, les gars, vous en pensez quoi? Oui, il y a la rediff de ce live, on a remis. On n'a pas remis des extraits ici parce qu'il y a le gay porn. Mais on en a écouté un peu, ouais. Ouais, je préfère le live en diamant plutôt qu'aller voir ces schlags. Quoi, ouais, t'es sérieux? Ah ouais. Bah ouais, au pire, tu peux venir. Bah, je l'espère, Gribou, ouais, Luta, il mérite vraiment. Attends, deux secondes. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je suis grave propre, en plus, mon perso, il est super beau, là, maintenant. Je vais aller à Saint-Denis, les gars. Je vais aller là où j'habite. Il y a la rediff sur YouTube. Ceux qui veulent la vidéo, demandez au pire à Nerzul s'il veut bien vous la filer. Elle est en non répertorié. Ouais, c'est un florilège, les gars. Si vous voulez voir comment prendre un ban en moins de 20 minutes sur Twitch, bah allez voir ça. Non, on en rigole. On en rigole, mais... On en rigole aujourd'hui, mais c'était quand même très grave, les gars. Franchement, avec le recul, je rigole, les gars, parce que je me dis, c'est... Comment on peut autant tourner comme ça, les gars? Où je peux aller? Parce qu'il y a personne, là. Blackwater, les gars? Après, le serveur est rempli. J'ai bien précisé qu'on est à peu près une trentaine de personnes. Ah, t'as la vidéo, Mimimati? Non, arrêtez de dire la coco, parce que lui, il m'a pas dit ça en DM. Après l'événement, il m'a dit non, j'étais pas sous cocaïne. Je pense bourré, mais pas sous coke. Mais même bourré, tu lui fais pas ça, les gars. Même bourré, est-ce qu'il y en a qui l'auraient fait ça? Tu mets pas un gay porn, il t'amuse pas à insulter tout le monde comme ça, non? Gratuitement. Tu pensais que c'était vraiment la drogue? Qui a assisté à ce live-là? Le nom du mec, c'était Nkalo à l'époque. Ça excuse rien, ouais. Bon, heureusement que Shani n'était pas tombé là-dessus. Hein. Peut-être juste en overkiff et le fait aussi que qu'il regardait mes lives. Je pensais que ça l'a poussé aussi à faire ça. Après, moi, je fais pas ça, les gars. D'avoir fait cet envolé, les gars. Il est parti en couille parce que... Bourré, tu peux devenir méchant et agressif, c'est mon cas alors que je suis gentil de base. Non mais Max Cerati, au point d'insulter, mais les communautés full premier degré, non, je pense pas, je pense que ça se fait pas, tu vois, c'est un truc, tu fais pas ça, quoi. À la limite, tu règles tes comptes, t'insultes tout le monde, t'insultes Twitch, moi, franchement, il s'en serait pris à Twitch pour son ban, ouais, d'accord, ok. Vas-y, mets ton gay porn et y a pas de problème. Mais le gars, il a vraiment insulté des communautés. Hein. Sur Twitch, je sais pas si j'y reviendrai, gros. Je sais pas si on... Putain, ça me saoule. Et là, je vais mourir, ça me saoulait. Il est où mon cheveu? Oh non. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, je suis...
au beau milieu de la pampa, s'il te plaît. Sois avec moi, sois avec moi. Putain, je t'ai écouté. Attends, j'ai appelé mon âne. Mon moule. Ah, j'avais appelé mon moule. Oh, dis pas que je vais me prendre à moins 50 dollars. Non, pas là-dessus, pas là-dessus. Sur la mule, ouais. Sur mon âne, ouais, peut-être. Mon moule. Pas comme ça. Musique triste et dégage, mais le cinéma, non, non. Pas, peut-être pas pour ça, pas au début du... Dès le début, les mecs. Générique de fin. Le cheval est mort, générique de fin. Musique triste. On ferme le rideau. Le truc, c'est qu'on a fait confiance bien trop rapidement à des gens sur ta chaîne et qu'on a... Ouais, il y a pas... Non, pas confiance. Ouais, non, parce que moi, je suis toujours méfiant quand j'ai pas vu les mecs en vrai. Bon, après, tu me diras, Jutpop, je l'ai vu en vrai. Il a quand même pété un câble, les gars, au point de balancer les infos personnelles sur tous les Discord de France, mais... Mais ça, à la limite, tu vois... Maintenant, c'est du passé. Les gens, il n'y a pas eu de conséquences, tu vois. Ça se tente ou pas, Wimmer? Non, vas-y, on va pas le tenter, le diable. Tu commences à avoir faim. Ah oh, putain, j'ai rien à bouffer, assis. C'est trop long ça. La C. Stop le fait d'être bourré, tu n'as plus le même feeling de la bourraque attitude. Oula, on parle à un connaisseur ou. Non, dropez pas dans le chat les mecs, mais par contre, dropez ça sur Discord si vous voulez. Mais pas dans le chat Twitch. Non, c'est trop violent. Il manquerait plus qu'un gamin regarde le stream les mecs, on est sur YouTube. Hein. Ce serait con qu'un gamin tombe là-dessus. Surtout qu'il y a du porn. Du gay porn. C'est sérieux, mélanger de la cocaïne et de la tease, il y en a qui l'ont fait. Et pourquoi t'arrives dans des états, ça n'a rien à voir. Je sais pas, moi je me connais pas en droguing. Tu les as mis sur le devant de la scène. Aizen il me tue dans le chat, il m'a dit. C'est vrai ce qu'il dit ou pas? Tu les as pas soutenus comme Squeezie et Locklear avec Zod, c'est de ta faute Riri. Tu les as mis sur le devant de la scène, fallait les accompagner et les... Ah ouais? Quand je mets des mecs à la lumière là, via mon stream, parce que moi je m'en rends pas compte, je me dis on est dans une botte de potes, on stream et tout, je m'en fous de... Parce que moi dans ma tête je stream quoi, on est que, ouais, quelques centaines de personnes, mais je me dis pas voilà, je suis overconnu, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que je dois faire attention, il y a des profils psychologiques un peu fragiles, pour eux c'est de l'overbuzz, d'être exposé ici, vraiment. Je dis ça en plus, c'est vrai, parce qu'il y a des fois, il y en a, c'est des baisers, ils sont prêts à tout pour passer à la télé. Quand je vois les stalkers de merde avec qui on a affaire des fois sur les streams, les gars, je me demande, mais le putain, ça leur est monté au cerveau, quoi. Encore TF1, je pourrais comprendre, tu vois. C'est pas Chalal Tilly. Donc je dois vraiment accompagner, par exemple, des gars comme... Non, Hurricane, ça va, il est assez âgé, il est stable. De base, il était pas bien. Fais attention à Choupa, il a l'air un petit peu fragile. Ah ouais? Je dois l'accompagner? Merwan, il faut l'accompagner. Qui d'autre? Non, je vais vriller. Je sais que tu peux vriller, en plus. J'ai vu des trucs te concernant, hein. Hein, sur Twitch, hein, petit Hurricane. T'es pas si clean que ça, toi, hein. T'aimes bien troller, hein, et dire des conneries, hein. Je pensais pas ça de toi, hein. Fais attention. Ce mec, en plus, il va plus en roue libre que moi, en plus, ce gars, putain. C'est la roue libre. Faut accompagner Mirwan pour son niveau sur CS. Ouais, bah on l'accompagnera. De toute façon, je suis en train de faire un big détour. My big détour, ah non, c'est bon. Hein, chez Luta dans le chat. Ouais, ouais, t'inquiète. On voit, merci Pextro. On voit ce que t'écris, mec. La justicière sur le veau, il faut que je l'accompagne. Déjà, on est sympathisé, les mecs. Elle s'est confiée à moi, elle m'a ajouté sur Insta. Je vais te tirer de ces gendarmes. J'entends des voix, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce brigand? Non, attendez. S'il vous plaît. Sors de la route, va dans les... Vous ne savez pas à qui vous parlez, s'il vous plaît. J'en ai rien à faire de ton histoire. Sors de là. Viens sur le côté là. Dépêche-toi.
Viens sur le côté, dépêche-toi. S'il vous plaît, je ne vous veux aucun mal, monsieur. Je ne dirai rien. Dépêche-toi, viens par ici. À entendre votre accent, j'en déduis que vous n'êtes pas d'ici, vous êtes certainement. Non, je ne suis pas d'ici, j'ai besoin d'argent. Dépêche-toi, vide tes poches, donne-moi tout ce que t'as. Vous êtes mexicain, c'est ça? Absolument pas. Si, s'il vous plaît. Pourquoi ça te regarde? S'il vous plaît, je n'ai rien sur moi, je vous assure. J'allais justement en ville parler à la joie du gouverneur, et là, à ce moment-là, peut-être que... Je ne m'oblige pas à te ligoter pour tout fouiller. Je te laisse une chance, si tu me vides tes poches là maintenant, sinon je te liquide. Qu'est-ce que je fais, les mecs? Je l'encule? Donne-moi ce que t'as. T'as de l'or? De l'argent? Dépêche-toi. Aïe, Chibal, tu vas pas me laisser le choix. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ça va trop loin. Aïe, reviens ici. Laissez-moi partir. Je n'ai rien. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai quelques petits... Non, tu me laisses pas le choix. Je te laisse pas les venir. Mon costume en indicateur. Je t'ai prévenu, mon ami. Non. T'as ma thune, mes $350. Aïe, Chibal, j'ai pas de temps à perdre avec cette connerie. Hein. S'il te plaît. S'il te plaît, t'as pas d'argent, tu vas me dire. C'est quoi ces bobiers là? Non, c'est bon, attends. S'il te plaît, Snick. J'ai que ça, s'il te plaît. C'est pas mon problème, chacun ses problèmes. Mathune, il m'a volé $100, fils de. Non, vous n'avez pas à me faire ça. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ah, je vais te laisser partir, ça, y a pas de souci. Mais la prochaine fois, ça prendra à vie de te donner. Non, rendez-moi mon argent, s'il vous plaît. Putain. Ouais, non, mais normalement, les gars, il est pas RP, les mecs. Je vous dis, c'est la règle sur le serveur. Tu dois pas prendre toute la totalité. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de te détacher. Détache-moi! Je vais pas te détacher, tu vas attendre là dans ta merde. Non! La prochaine fois, non, il y a des crocodiles, s'il te plaît. Non! Vous avez récupéré ce que vous avez récupéré, j'en s'il te plaît. J'en ai rien à foutre. Me laisse pas comme ça! Ils vont bientôt arriver, les chéris. T'as pas vu, il y a quelqu'un qui vient de passer, ils vont donner l'alerte. Donc arrête de pleurer là. Tu ne perds rien pour attendre. Je me souviendrai. Je me souviendrai. Mais oui, mais Sancho, il ne peut pas prendre la totalité sur la règle sur le serveur. En gros, quand tu braques un mec, tu dois prendre qu'un ouais, un tiers, je crois, max. Fais chier, quoi. Il m'avait mis bien, putain. Au pire, je dis au gouverneur, l'adjoint. Bah, vas-y, là, il est plus là. Vas-y, je me libère, hein, les gars. Ça sert à rien, ça. Ah, il faut faire ça. Streamhack pour vous, info sûre. Par contre, enculé de streamhacker, pourquoi tu fais ça, mec? Parce que moi, je pense que... Parce que de la voix, je l'ai reconnu, les gars. Ça doit être un mec ouais, qui connaît mon stream. Parce que c'est grave bizarre, là, les gars. C'est au milieu de nulle part, quasiment. Enfin, juste le chemin vers Saint-Denis. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème pour la scène. Il n'y a pas de souci, parce que au final, tu vois, il me prend juste $100. Mais juste les conditions, quoi, je sais pas, c'était un peu bizarre. Ça faisait un peu, ouais, streamhack. À voir. C'est l'entrée de Saint-Denis. On... Je pense vraiment que c'est un staff, mais claque max. Elle est où ma demeure? Je sais même plus. La maison du gouverneur, c'était où? C'était ici, je crois, non? Ouais, je crois que c'est ici. Mais ma maison, c'était pas celle-ci aussi, si? Non, c'était pas celle-là, ma maison. Bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'aimerais parler, s'il vous plaît, à l'adjoint du gouverneur, est-il ici? Alors là, j'en sais rien du tout, je viens d'arriver. Très bien, je me présente, je suis John. John Lacey. Ah, moi, je m'appelle Reward, Palefrenier, enchanté. Vous êtes Palefrenier? Oui, c'est moi qui vais dresser votre cheval, ou votre mule. Très bien, oui, j'ai un âne juste ici, oui. Pouvez-vous le dresser, s'il vous plaît? Quelquefois, j'ai des soucis, il n'est pas très docile. Alors, d'accord, en fait, le dressage des mules, ça vous fera $400. $400. Oui. Seriez pas en train de vous foutre bipper ma tête? Non, je... Malheureusement, non. $400 pour... Hein. Oui, parce que si vous voulez, c'est en fonction du nombre de pas, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, pour vérifier ça, vous vous mettez près de votre mule, comme ça. Oui.
Vous faites sale bête. Mais comme la lettre. Oui. C'est mon petit ouais. Chewbacca, oui. C'est-à-dire, c'est son expérience, et ça, c'est... Ouais. Bah, vous l'avez pas volé, celui-là. Reviens ici, Chewbacca. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'est pas très docile, ce Chewbacca. Ouais. Cet homme a besoin d'aide. Mais, monsieur... Oui. Vous m'entendez? Attendez, je vais déjà ramener mon mule. Oui, oui. Oh, ce move. Oh, putain. Oui. Ah, excusez-moi, attendez. Voilà, c'est bien ce que je voulais... Je tue à le dire, c'est qu'il n'est pas très docile. Il n'écoute point mes ordres. Attendez un instant, je vais essayer de vous relever. Vous êtes conscient? Un peu mal de partout. Est-ce que Mirich, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas s'il le mérite, il mérite que je l'aide. J'ai l'impression que c'est un escroc. $400 pour élever une pauvre mule. Ça me semble pas très raisonnable. Est-ce que je dois le laisser pour mort? Je vous entends, monsieur. Et puis je suis vivant. Ah, je l'ai dit ou je l'ai pensé? Merde. Non, vous l'avez dit. Avec une voix très cérémonieuse, mais vous l'avez dit. Comment dire? C'est juste que je trouve vos tarifs quelque peu exorbitants. Non, mais je comprends rien. Bon, c'est pas moi le patron. Et puis, c'est en fonction des pas de votre cheval, de votre mule. Ah, très bien. Et ces prix-là, ils sont fixés par le gouverneur? Non, par le patron. Le patron, ouais. Oui. Attendez, excusez-moi, il faut que je vois un autre. Monsieur Duval. Mais il est où? Putain, $400, les gars, pour ça, c'est de la merde, quoi. J'ai vu le cheval de... Bonsoir, monsieur. Je pose mes armes. Je me présente, je suis John. John Lacey. Enchanté, monsieur Duval. Enchanté, bah monsieur, je vous invite à poser vos armes si vous en avez dans la malle. Je crois qu'il n'y a pas un docteur dans le gouvernement, monsieur Duval. Si, Miss Laika. Ah, bah c'est parfait. Ah, vous êtes blessé? Ouais, la mule de monsieur m'a mis un coup. Bah, allez la voir, passez par la porte de votre temps, suivez-moi. Monsieur le gouverneur est pour l'instant disposé. Pour déséquipé, donné? Deux minutes, mais si jamais vous voulez parler, donné à. Disponible juste après. Permettez que je ferme le portail. Duval. Ouais, vite, je crois que la mule m'a écrasé le téton. Vas-y. Mais comment ça, le téton? Ah oui, ben je le sens plus. Monsieur Duval, vous tenez, je vous le donne directement. Je vous fais confiance. Donne ça. Bah merci. Bon. Très bien. Bon, allons-y, j'aimerais parler, s'il vous plaît, au gouverneur ou à son adjoint. Est-il ici? Et comme je disais, il est occupé une dizaine de minutes, mais après, il sera à vous. Je me sens pas très bien. Ouais, bah Miss Laika, il fait 400$, t'as un cheval à ce prix-là. Vous avez deux docks, hein. Vous avez soit Miss Laika, soit Miss Knight. Oh, je préférais Miss Laika. Ah, je vous conseillerais plutôt une demoiselle, oui. Avec un peu de chance, elle vous massera. Ah oui, bah, déjà ouais. Le docteur Lou m'a déjà baissé le pantalon sensuellement. Non, mais... Je pourrais te savoir. Oh, putain. Où est-il, l'adjoint du gouverneur? Bien le bonjour, il aura besoin d'un doc. C'est pour monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces Salamalek? C'est un banquet? Attendez, monsieur. Mais je n'ai pas été invité. Monsieur Lacey. Oui. Comment allez-vous, monsieur Lacey? Vous me reconnaissez même pas? Attendez. Mais quelqu'un pourrait le soigner, je crois que c'est monsieur qui est ce clochard. Pardon? Monsieur Lacey, je vous invite à rester dehors, par contre, on va éviter tout problème. Comment ça? Je n'ai absolument rien fait, je le connais, vous avez vu, il m'a reconnu. Oui, mais ils sont en pleine affaire, je vous invite juste à patienter. Très bien, et j'aimerais parler, s'il vous plaît, à l'adjoint. Je ne sais pas s'il est là, mais je vais voir si je peux trouver. Je voudrais ça et mon coup de pied au cul. Attendez, Je vois que vous avez le talent de parler derrière ma personne. Je ne vous en veux pas. Mais je t'attends dehors, il n'y a pas de problème. Vous n'allez attendre personne, si vous monsieur. Vous calmer, messieurs. Et évitez de me tutoyer, je ne suis pas votre ami. Ouais, monsieur Lacey, oui, je sors. Attendez, bah, suivez-moi. Je ne vais pas vous faire attendre dans la cuisine non plus. C'est qui ce con, les gars? Je me rappelle même plus. La chance qu'Atoyer est resté gentil. Hop.
100 euros en retard, ah, ce qui met. Il y a eu un bug ici ou alors juste dans le hall d'entrée, juste en face. Ah, c'est le médecin. Mais pourquoi dois-je attendre ici? Vous avez organisé un banquet sans prévenir la population. Et une personne de ma caste. Il n'y a pas de banquet pour l'instant. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame ici? Dites-moi. Bah, disons que monsieur le gouverneur est actuellement occupé avec diverses personnes. Et je sais pas si vous êtes au courant, vous avez reçu si vous avez vu les affiches publiques, monsieur le gouverneur recherchait de l'or, donc ça se peut qu'il attende de la visite. De l'or? Ouais, puis il rachète des pépites d'or. Ah, très bien, très bien. Oui, je peux comprendre, oui. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont cherché à joindre monsieur le gouverneur, mais pas de nouvelles depuis le temps. C'est-à-dire qu'ils vont chercher de l'or et le ramener à monsieur le gouverneur? Des grosses pépites, ouais. Mais pourquoi le ramener directement au gouverneur, alors? Pas garder cette pépite? Je sais pas, le gouvernement a dit qu'il cherchait de l'or, je suppose qu'il va le fondre des lingots. Donc ils en ont besoin d'une certaine quantité. Moyennant, hein, j'espère, une belle somme d'argent. Moyennant, une somme d'argent plutôt acceptable. Plutôt, effectivement, au-dessus du prix du marché. Bien sûr. D'accord, oui, c'est bon à savoir. Et l'ont-ils trouvé? Et plusieurs personnes leur ont donné leur pépite, mais il me semble que la limite fixée n'est pas atteinte, donc si vous en avez, vous pouvez toujours les échanger contre des dollars sonnants et trébuchants. Très bien, je l'entends, oui. Je ne vous dérange pas plus, je suppose que vous devez aller les voir. C'est moi qui te souhaite. Oui, pas de souci, mais dès que je vous croise, monsieur le gouverneur. Oui, je vais rester ici en attendant. Ah oui, donc je me souviens, les gars, il m'avait fabriqué une tente aux abords de la ville. Rappelez-vous, les gars, une tente et du feu. Oh, pas de bagarre ici. Ouais, lui, ça va, il jouait bien, lui. J'aimais bien son personnage. Ouf, je pensais que c'était un mec que j'avais mis égo et je pensais que... Ok, d'accord. Il parle de moi? Attendez. Oui. Je garantis que... C'est pas un homme avec qui il faut traîner. Hein. Moi, je vais te soigner ça avant que... Il parle de moi. Ça s'infecte. Bon, il me faudrait de l'eau, t'en bouge pas. Je me demandais si je peux aller chercher un peu d'eau. Oui, je me suis fait raqueter juste avant, Debian. Et il t'a filé 100 dollars. Mais attends, Nato, je fais tellement de choses, du coup, je suis sur plusieurs serveurs, donc je sais pas. Surtout, ne te bats pas, tu fais partie de la haute. Ouais, on verra. On verra si je me bats. D'ailleurs, mon perso, je sais même pas si c'est... Alors, il sait tuer des gens, il sait violer des gens, mais est-ce qu'il sait se battre? Parce qu'un mec comme ça, on est d'accord que c'est souvent une tarlou... Enfin, une petite fiotte. Un mec qui prend les... qui tue les gens par derrière, mais jamais en frontal. Mais c'est le background, les gars. Commencez pas à paniquer, à me dire « Ouais, je comprends pas. C'est trop violent. » Non, c'est le background. On est en train de soigner. Toi ça. Oh, le parquet. Oh, j'allais me faire soigner par la meuf. Oh oui, soigne-moi. Non, les gars, qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut vraiment... Bon. J'allais me faire soigner. Alors, je veux dire, je me suis fait agresser bon. Par un... Je vais brûler. Par un bandit de grand chemin. Je vais brûler l'aiguille en feu, parce que... Oui, mais tu fais 2 mètres de haut. J'avoue, regardez les gars. Est-ce que je passe là? Normalement, je passe pas, si. Bouge pas. Et je pique. Attends, je vais aller voir là-bas. Changé ou pas? Je suis tout seul. C'est vrai. Bah, je voudrais bien ramener des bras, mais il y en a un qui est en train de se faire attraper par les shérifs. Bon, en tout cas, de se faire ramener à Sissika, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour, messieurs, dames. D'accord. Bonjour, monsieur Lacy. Monsieur Lacy. Oui. Comment allez-vous? Pas très bien. Je me suis fait agresser en arrivant ici. Ah. Un bandit de grand chemin, oui. Il m'a dérobé 100 dollars. Eh ben, dites donc. Il était masqué, je n'ai pas eu le temps de le reconnaître, mais il avait un fort accent mexicain. Ah. Monsieur. Vous êtes sûr que c'était pas un accent cubain? Je suis. En tout cas, un accent différent, d'ici, oui. Pas d'ici, oui. Certainement du sud, oui, vous avez peut-être raison. Oui. Un hispanophone, oui. C'est fâcheux. C'est fâcheux, fâcheux. Vous le connaissez? De plus en plus fréquent. Non, du tout. Mais vous savez, les agressions dans la région ont un petit peu augmenté ces derniers temps. C'est qui cette meuf? Oui, j'en étais la victime, malheureusement. Alors, j'aimerais parler à un médecin. Je ne suis pas en service ce soir. Il me semble que monsieur... Ah, vous êtes pas médecin, mademoiselle. S'il vous plaît, pouvez voir... J'ai été mis à terre et j'ai quelques contusions. Pouvez-vous voir un instant, s'il vous plaît?
Alors, je vais vous demander d'attendre un petit peu. Je vais aller chercher un médecin. Très bien. Merci. Qui est cette charmante demoiselle? Ma future femme. Ah, vous avez très très bon goût. Non, j'en suis sûr. Et puis, a priori, vous aussi, puisque vous avez l'air de l'apprécier à sa juste valeur. Oui, c'est vrai, c'est cela, oui. Comment vous portez-vous depuis notre dernière entrevue, cette agression mise à part? Sinon, tout va bien, je refais surface, vous l'avez vu, j'ai un nouvel accoutrement. Mais je vois que vous êtes fortement bien habillé. Oui, je reviens petit à petit à la surface. Ça n'a pas été évident, vous savez, ça a été dur, on m'a traîné plus bas que terre à Valentine. D'accord. À ce point-là? Oui, un shérif, je ne sais plus le dénommer. Il était Non, ça russe. va aller. Un C'est qui vrai la bête qui peut connard. euthanasier? Personne Et qui s'en prend vous, aux faibles. monsieur Paco? Et quoi, vous avez besoin du docteur maintenant? Oui, j'ai besoin de vous. Ah ouais, même un sale vous dérange pas? Non. Monsieur Lacy, ce que je vous propose, là j'ai une commande à décharger dans le coffre du gouvernement et je vous prends un entretien juste après si vous le souhaitez. Très bien, où est votre agent? Mon agent. Votre adjoint, plutôt. Comment il Mon adjoint. s'appelait? Il n'est pas en poste aujourd'hui. Ah, oui, une personne très très charmante. Oui. Ah, vous avez eu l'occasion de faire sa connaissance, du coup, j'en déduis. Oui, c'est une personne de la haute, on s'est très très bien entendu. Il a rigolé à mes blagues. Je l'ai diverti et c'est lui qui m'a sauvé de ce pétrin. Ah, mais vous savez, le gouvernement est toujours prêt à rendre service. Je n'hésiterai pas à lui en toucher un mot également, si vous le souhaitez. Merci, merci. J'aimerais savoir où sont ces appartements. C'est ici, du coup? Lorsqu'il est en service, les jours de service, il est ici, oui, tout à fait. Sinon, il est dans un comté voisin. Très bien. Bon, je vais essayer de me faire soigner. Ça, ce docteur. Eh Monsieur bien, Pa Docteur Paco. à tout de suite. Oui. Pouvez-vous voir, je me suis fait agresser. On m'a mis à terre et j'ai quelques douleurs là sur le dos, quelques petites contusions. Ne Pouvez-vous doutez même voir? pas, vous fassiez agresser, venez. C'était un brigand de grand chemin. Il m'a dérobé et volé 100 dollars. J'espère le retrouver rapidement. Je n'ai pas pu le reconnaître. Enlevez votre veste et votre chemise. Devant l'Indienne? Y a pas d'indienne, c'est un indien. Ah, oui, j'ai très bien vu. J'en ai marre. Putain. Moi, je veux. Moi, je... Il faut que je retrouve l'autre connard là, l'autre russe là, il faut que je le remette en Vous égo, je en pense. sortez? Eh bien. Effectivement, il y a un bel hématome. Bon, bougez pas, je vais chercher de quoi nettoyer ça. Très bien, je vous attends ici. Vous aviez échangé vos numéros avec les Richards, normalement. Il s'appelait comment, les gars? Rappelez-vous. Il s'appelait comment, monsieur? Vous vous en souvenez, les gars? Vous pouvez regarder la rediff pour moi. Putain, je suis pas professionnel du tout. Putain, je suis vraiment désolé. Monsieur, il s'appelait comment, le petit Richou, là, dans sa petite caravane, là, enfin, dans sa Bon, petite... bougez pas. C'est un baume à l'arnica, ça devrait aller mieux. Monsieur Baker, voilà, monsieur Baker. Vous savez où je peux trouver rapidement monsieur Baker? Non. Ah. Hey, Hachiki! Fais-nous Pas plaisir dans ce RP. secrétaire. Merde. Merci pour le don. Hashtag gros Perdu. don! Merci Perdu Gribouille, du merci. Merci temps. de festoyer pour moi, les gars, c'est gentil. Et voilà, il Tranquillement. m'envoie. Il va me fumer, moi, la monétisation de cet Allez extrait, mais c'est pas grave, l'après-midi. attends. Il est en train de me sucer mon cul, il est en train de me faire un anus. Il vous plaît, pouvez-vous rhabiller? Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je me sens un peu mieux. Oh oui, ça fait du bien. Mettre gilet, mettre manteau. Je reste comme ça ou pas? Non? C'est mieux comme ça, non? Ou je mets la chemise? Non, je mets la chemise.
On voit 50 alors. Mais non, arrête, alias fou. Il va pas demander alias fou. Alias fou. Corpse, tu veux ma mort? Merci. Nous avions pris un mauvais démarrage, vous et moi, mais... J'ai déjà entendu ce discours. J'ai pu ensuite constater que vous avez été bon avec moi, c'est vrai. Je ne dois pas vous en vouloir. Cela dit, il y a quelque chose chez vous qui me dérange. Vous avez comme un air, je ne sais pas, condescendant à mon égard. Je vais être honnête avec vous, monsieur Lessie. Vous ai aidé parce que je n'étais presque obligé. Sachez que ce que je vais vous dire là ne ce sont pas des menaces, mais des promesses. La prochaine fois que vous parlez mal à un de mes amis ou à une de mes amies, je vous tue de mes propres mains, c'est clair. Attendez, il y a certainement une méprise. À qui j'ai mal parlé? Oh, à plus d'une personne. Et je pense que vous savez très bien de qui je parle. Maintenant, c'est un conseil que je peux vous donner. Vaut mieux que vous tourniez les talons et que vous quittiez cette pièce avant que je fasse une bêtise que je vais regretter. Mmh. Au revoir, monsieur Lessie. Mais comment? Comment pouvez-vous penser une chose pareille après tout ce que nous avons vécu ensemble? Toi. On n'a rien vécu ensemble, maintenant vous sortez. Si, il m'a sauvé. Et qui t'a permis de... Bon, j'ai... Arrête. Eka, si vous me laissez 5 minutes avec cet homme dans cette pièce, je le tue. Il veut faire du winner pay, termine-le. Écoute-moi, dis à ton chef, je ne sais pas qui il est, qu'il arrête de me prendre de haut. Sinon quoi ? Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, je ne suis pas le fragile et l'espèce de merde que j'ai été par le passé. Qui prend bien note. Parce que c'est bien beau de me menacer de la sorte, la chef, mais il sait pas qui... La chef, elle est juste devant vous. Tu voulais parler au chef ? Vas-y. Ah, parce que le docteur a un chef au-dessus de lui, c'est bon à savoir, une demoiselle en plus. La demoiselle, elle est bien pire que tu ne le penses. Si j'étais toi, je lui manquerais pas de respect. Va-t'en voir. J'étais encore en vie, c'est grâce à elle, bouffon. Haute comme trois pommes. À qui ai-je affaire ? Je me présente, mademoiselle, je suis John. Inutile, je sais déjà qui vous êtes. Auriez-vous déjà oublié Vous êtes vraiment magnifique, vous avez une beauté éblouissante. Vous vous rappelez pas, Saint-Denis ? Oui, on me le dit souvent, oui, ça a l'air d'exaspérer beaucoup de personnes autour de moi, j'ai l'impression. Vous m'entendez ? Vous avez même invité à boire un verre. Oui, parce que ma beauté rayonne, et vous êtes tombé sous le charme, je suppose, non ? Absolument pas, c'est plutôt vous qui disiez ça de moi, avant de boire un verre de vin blanc à Valentine et d'être sous comme un cochon et de chercher la bagarre. Oui, mais je ne me maîtrise pas quand une personne tiers s'amuse à mettre je ne sais quelle sorte de drogue dans mon verre pour que je perde le contrôle. Bien sûr, bien sûr. Rien, ne vous inquiétez pas, monsieur Duval, monsieur Lacey. Ce serait vous, monsieur Duval, je peux sentir monsieur juste en face de moi. Les Wapiti. Monsieur, c'est la personne qui est juste derrière moi, s'il vous plaît. Je suis en train de converser avec cette jeune demoiselle qui est très jolie, en passant. Oui, enfin... Pardon. Quoi, monsieur Lessie. Oui, monsieur Duval, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez bien me suivre, disons qu'on va... Très bien, j'ai l'impression que je ne suis pas le bienvenu ici. Le vent encore une fois, c'est ça, oui. Pour y arriver, deux, trois droites qui partent sur le... Oui, mais sachez que je n'ai pas peur aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Oui, non, c'est pas cette question-là, c'est juste qu'il n'y aura aucun combat qui se passera au sein du gouvernement. Très bien. Très bien, il ne se passera rien également. De toute façon, personne n'osera lever la main sur ma personne qui est sacrée, qui plus est. Allons-y, monsieur Duval, je vous accompagne. Ouais. Là, suivez-moi. Là, ça va être de l'ego RP de ouf, s'ils me suivent. Ça me fait rire. T'as peut-être attendre ici, je pense pas que ces messieurs en auront pour longtemps. Vous avez vu monsieur le gouverneur ? Oui, je l'ai entreaperçu, mais je sais pas quand il aura le temps de s'entretenir avec actuellement, moi. On est en train d'échanger un... Hashtag Rondon, les gars, dans le chat ! En train de monter tous les lingots. Est-ce que t'as déjà léché ? Il y a Vasker qui s'abonne, les mecs, en tant qu'ultra ! Oh, les gars, vous avez pas... Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, j'ai pas envie qu'il y ait de... Oui, laissez partir les vermines. Pour l'instant, là, je vais attendre ici tranquillement dans ces appartements. Je parlais. Riri essaie de tendre une embuscade. Mais les gars, je suis tout seul et là, je vais mourir. Merci. Hashtag gros don, les gars. Y'a Tiki qui me fait plaisir. Super bonne cette pub. Super bonne.
T'as des pubs? C'est pas possible, normalement, on peut pas les mettre sur YouTube. Est-ce que, les gars, merci beaucoup, Chiki, je te fais un gros check, racaille. Ça se voit que c'est le début du WoW, bien sûr, ils sont en train de me gâter depuis le début de ce stream. Merci beaucoup, clap clap, merci pour les... Skiffer qui quoi, les gars, dans le chat? J'entends rien dans le chat! Ah mais si, elle est skimée, excusez-moi. J'avais pas vu la liste de skimée, les gars. Skimée! Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner un petit peu, s'il vous plaît? Les gars, là, si je sors, je suis dans la merde. Je fais comment? Comment vous voulez qu'on développe, là? On continue un peu la mise en égo, ou... Là, ça a l'air d'être tendu pour ma gueule, hein. Ah oui, mon gun, ouais, bien vu, faut pas que je l'oublie. Tiens donc. Ils sont en train de les faire évacuer. Les rats quittent le navire. T'as le gouverneur à tes bottes, profites-en. Reprends ton flingue et repars en courant. Ton perso finira pas la soirée, là. Ah ouais? Monsieur Duval. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, attendez. Je vous ai obstrué le passage. Il y est passé, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Ouh. Ça sent bon ici. J'ai pas de pote. Monsieur Duval. J'aimerais récupérer ce que je vous ai passé tout à l'heure. Ah, vous comptez partir? Je ne sais pas. Monsieur le gouverneur n'est pas disponible, donc je reviendrai ultérieurement. Je pense qu'il sera juste disponible dans 5 minutes maximum, je pense, si vous pouvez attendre autrement, effectivement. J'attends, on n'a plus pour longtemps. Très bien, je vais attendre alors. Ouais, je pense pas qu'il est là pour longtemps, c'est les derniers sacs qui partent. Après, il sera tout disposé à vous écouter, monsieur Lessie. Excusez-nous pour l'attente, en tout cas. Il n'y a aucun problème, ouais. En tout cas, je peux compter sur vous, vous êtes une personne très très charmante. Bon, n'hésitez pas. Juste une question. Ouais. Pourquoi ces personnes-là ont-ils autant d'animosité sur ça? Alors que j'ai... À Valentine, j'ai présenté mes excuses... Ils sont là pour, je ne sais pas, me mettre plus bas, alors que je n'aurais absolument rien fait. Ou peut-être que ces personnes sont rancunières, je ne sais pas. Oui, oui, la rancune, certainement, oui. Oui. Bon, excusez-moi, je vais poser le sac. L'humilité Baker. Pom pom pom. Ouais, mais bon, ouais, Baker, oui, lui là, Duval, ça se voit qu'il est, il est cool. Lui, il va défendre le perso. Mais là, je sens que là, les Indiens, là, ils ont le seum contre moi, là, ils veulent me butax, mais... Ils sont déjà lourds, ceux-là. Je sais pas quoi faire. Déjà, est-ce que j'essaie de récupérer ma thune? Parce que là, j'ai perdu 100$, j'ai la haine, je suis en égo. Faudrait que Monsieur Baker soit là, ouais. VRP dans une zone avec du monde où ils t'entrent en rien, ils te tueront pas, au pire, tu te fais arrêter par un shérif. Mais ça explique pas pourquoi le médecin rage alors qu'il t'a monté ta tente. Est-ce que je dois creuser auprès du médecin, là? Parce que j'avoue, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, le... Il est juste là. Oui. Mais là ? Je les suis. C'est ton chien, ça? Mm-hmm. Bah ouais, un petit peu, hein. Ah, monsieur Lessie. Vous pouvez attendre là, si vous voulez. Oui, je vais attendre ici, oui. Alors... J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose contre moi. C'est bizarre, cette histoire. Au pire, vous avez un petit salon, hein, si vous voulez, par exemple. Il me semble que je vous ai rien donné, monsieur Lessie. Rien donné? Ouais, monsieur... il me semble. Monsieur Lassie. Je vous ai donné quelque chose. Vous l'avez, monsieur Duval. Vous ne m'aurez pas donné. Pardon? Monsieur Lassie, vous pouvez aller dans le petit salon qui est juste là. Oui, si, moi je suis là. Oui. Pour attendre. Qu'est-ce qu'elle fout, cette sale bête? C'est un chien sauvage. Ah, dégage! Oh, monsieur Lassie, on se calme. Ah. Touchez à mon chien encore une fois et je vous... Veuillez m'excuser, je ne pouvais pas savoir. C'est votre chien. Snow, viens.
Excusez-moi, oh bon. Monsieur Lassie, elle est dans le salon au fond. J'ai cru que c'était un putain de raton laveur, excusez-moi, je ne pouvais pas savoir. Il n'y a pas de raton laveur ici, monsieur. Je vois mal de monsieur ma hauteur. Monsieur Lassie, oui. Allez dans le salon, ce sera plus simple. Excusez-moi, je suis pas très très bête, veuillez m'excuser. Non, rangez ça. C'est moi, mademoiselle. Allez, Snow. Je vous en prie, asseyez-vous, j'en ai plus pour longtemps, j'arrive. J'ai l'impression de ressembler à un cul quand je m'assois comme ça, mais bon, c'est pas grave, je vais attendre. Putain, ce que j'ai mis. Ils entendent, hein, ce que j'ai. On a les retours, c'est bon. Non, je dois. Ah putain, je m'assois, une chaise, j'ai l'impression que ma buteux est en train de cogner contre sur la table. Mon flingue, mais je l'ai filé à Duval, il va me le rendre un peu. Merde, pourquoi ça arrive à ce moment-là, une érection? C'est pas grave, je vais rajouter un pied comme ça à cette table. Contracting my butt. Je ne pourrai pas contracter très longtemps. Il faut absolument que je me lève. C'est quoi ça, site? Ah, il y a plein de trucs. Table d'écring, planche. Ah, voilà, je me sens mieux. Oh. Monsieur le gouverneur? Ah, ça fait du bien. Plus à l'aise. Monsieur le gouverneur? Putain, mais c'est trop bien les annonces. Attends, je vais voir ce qu'il y a. Quoi. Est-ce que je l'attends comme ça, les gars? Est-ce que je l'attends? Ce man spreading. Super bon cette scoliose. Teste un autre. Non, genre, teste. Attends. Non, c'est... je suis trop grand pour. Là, ça se voit pas. Je... Si, chien. Oh, prends ça. Prends ça, la table. Je teste d'autres et je prends la pire, ok. Knife badass. Harmonica en bas? Putain, c'est trop bien ce jeu. Putain, pourquoi on a pas ça sur GTA? Attendez. Il y a quoi d'autre? Harmonica concertina. Ah, il y a de la mandoline. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Pécho la femme du gouverneur. J'aimerais tellement la toucher. Elle est si douce. Non, j'ai arrêté ça. Je vais me faire ban. Comment t'aimer? Attendez, dès qu'il arrive, je fais. Faut qu'on parle. Tiens, regarde. Vas-y, je reste comme ça. Non, c'est bon, ça y est, c'est terminé. C'était après. Les dernières, chouette. Ouais, ouais. Eh ben. Vous allez pouvoir investir dans une maison. Ça y est, on finit là. C'est trop. Ouais, reste comme ça, je l'attends. Il va me voir, il va rigoler. Et les derniers...
j'augmente peut-être le son de TS. Je sais pas si vous entendez bien, les gars. Est-ce que je suis au-dessus de l'envoi ou ça va? Bon, après, là, ils sont loin, c'est pour ça qu'on les entend pas. Vous me dites si c'est good, j'ai augmenté un peu, là. J'attends. Mes chers compatriotes, je déclare ce comté en guerre. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre aux Mexicains. J'aimerais tellement être gouverneur. On a un tel pouvoir. Ah, vous êtes là? Oui, ouais, j'attendais. On a déclaré la guerre au... Non, j'étais... voilà, je chantais. J'étais en train de faire une petite répétition. On sent beaucoup de pouvoir dès qu'on s'installe ici, ouais. Ouais, ouais, je suis bien là. Dès qu'il arrive, vous allez voir Monsieur Duval. Je vais lui dire, Monsieur le gouverneur, faut qu'on parle. Ça passe comme ça? Cette posture? Enfin, mettez-y peut-être les formes, hein, c'est comme le gouverneur. Oui, mais il faut que je lui montre, voilà, que je suis quelqu'un, non? Oui, mais après, je pense que pas mal de personnes ont vu quel homme fort vous étiez. Monsieur le gouverneur, faut qu'on parle! Aïe! Faites attention à vous, quand même. Oui. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait avec les chaises, là? C'est quoi ce bazar? Je n'ai rien fait, je me suis simplement installé. Ah oui. Monsieur le gouverneur, au revoir. À très bientôt, monsieur Paco. Bon, dites-moi tout. Eh bien... Ah oui, c'est impressionnant quand même. Vous êtes venu bien équipé, à ce que je vois. Oui. Il faut absolument qu'on parle. Concernant ma sécurité, je vois qu'il y a encore beaucoup d'animosité me concernant, alors que j'ai présenté mes excuses, et comme je disais à Monsieur Duval, et il est d'accord avec moi, c'est vrai. Une petite bouteille de vin? Oui, volontiers, oui. Et je commence à avoir faim. Auriez-vous quelque chose? Mais bien évidemment, Monsieur Lacy. Merci. Vous savez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on sait recevoir nos invités dans le coin. Très bien, bah dans ce cas-là, je vais me mettre un peu plus à l'aise. C'était quoi l'autre truc? Attends. Je peux même vous proposer de prendre un petit peu l'air si vous le souhaitez. Human Campfire. Oui, voilà, je vais me changer de chaise, de place, oui. Oui, un peu, oui, donnez-moi s'il vous plaît, j'ai... Vous avez, là, je vous ai posé devant vous, les vous avez des ragoûts, là. Bonjour. Oui, un peu plus, s'il vous plaît, j'ai grand faim. Eh bien, venez prendre l'air, ça va vous faire du bien. Alors le vin, c'est mort. Super bon ce ragoût. N'est-ce pas? Oui, c'est quelle viande? Du cerf, si je ne me trompe pas. Monsieur Duval, est-ce que vous pourriez demander à Martine quelle est la viande qu'elle a utilisée pour le plat, s'il vous plaît? Hop. Je chante un jour. Je vais reprendre une autre pause. Attends, comment on fait? Attends. Mais... Bon, dites-moi tout, monsieur Lucy, comment vous portez-vous? Comment se portent vos affaires? Est-ce que vous avez des clients potentiels? Alors, pour votre chaîne de restaurant? J'ai rencontré votre adjoint, qui est une personne formidable, un certain monsieur Baker. Oui, bah, c'est quelqu'un de formidable, forcément, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, il m'a remis sur pied, il a eu, je sais pas, peut-être pitié, ou alors on a eu quelques points communs, oui. Je l'ai très bien diverti lors de son trajet jusqu'ici. Hein, vous saviez que j'avais tout perdu, et... Comme par enchantement, cette personne a été très très généreuse avec moi. J'ai même pu avoir un hôtel particulier le temps de quelques jours où j'ai passé de très très bons moments avec quelques femmes de joie. Est-ce que non, écoutez, grand bien vous fasse. Attendez, je me tiens un peu. Cela dit, vous savez... Non, non, ici, je me suis fait agresser par un Mexicain. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous avez une description? Ah non, vous m'avez dit qu'il était masqué, c'est ça? Oui. Et j'aimerais récupérer ces 100 dollars. Pourriez-vous me les donner, s'il vous plaît? Oh, ça se passe pas tout à fait comme ça. Vous savez, dans le gouvernement, c'est un petit peu du donnant-donnant. Je vous donne 100 dollars, qu'est-ce que j'y gagne? Vous me gagnez... Ah oui, c'est vrai, quand nous avions le projet de construire et surtout monter un restaurant... Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous avez soif, monsieur Lacy? Oui, s'il vous plaît, donnez-moi à boire, merci. Trinquons ensemble avec cette bouteille de vin que je vous ai donnée.
Allons-y. En attendant que vous receviez vos 100 dollars. Oui, alors, 100 dollars qui serviront d'acompte, hein, bien sûr, pour monter mon business. Je vous ai parlé de la restauration rapide qu'il faudrait peut-être mettre en place dans cette ville. Les gens n'ont pas le temps. Tout à fait. C'est un projet fort intéressant, d'ailleurs. Oui, le Hamburger, oui. Laurent quoi ? Le Hamburger. Le Hamburger, c'est le nom de la chaîne de restaurant, j'imagine ? Non. Non, pas vraiment, oui. Quel dommage. Ça aurait pu faire un beau slogan. Je sais pas, je suis encore en pleine réflexion concernant le nom de ce restaurant dans cette ville. Pas le vin. Donc votre projet n'est pas en place ? Si, tout est en place. Vous savez que nous avons une franchise gérée justement par mon père. Et en Californie, nous avons notamment plusieurs restaurants. Mais ici, il va falloir s'adapter. Puisque le nom du restaurant en Californie s'appelle la Bita Negra. Et je ne pense pas que ce soit... Très joli. Adapté ici, oui. Oui, j'ai peur que vous fassiez pas que des amis, mais oui. Donc, j'étais là justement pour me concerter, pour trouver peut-être le nom de ce futur restaurant, et comment nous pourrions le nommer. Vous avez pensé à la Bita Whitos? Bita, oui, parce que nous faisons de belles saucisses, en fait, c'est pour ça. Ah oui, du coup, ça ferait passer le bon message, forcément. Oui, et nous faisons ça avec du boudin noir. Qui l'a cru ? L'Habitat Blanca, qu'en pensez-vous ? Ça me paraît être une idée intéressante. Vous allez toucher une clientèle bien particulière. Oui, dois-je ouvrir justement ? Justement, je devrais peut-être m'ouvrir à toutes sortes de populations, puisque vous avez ici des Indiens, des personnes, des Mexicains, des Portoricains, des Asiatiques, je suppose, des Européens. De trouver un nom un peu plus conventionnel. The Sausage Sauvage. Dites-moi, monsieur Lacy, j'ai besoin d'aller... J'ai besoin d'aller du côté de Valentine. Est-ce que vous me feriez le plaisir de m'accompagner sur la route ? Quoi dans ce vin ? Ah, du raisin ? Pollos. Poulet. Le blanc de poulet. Le blanc de poulet. Black and white bitas. Non. The black and white, ça sonne bien, ça. Du coup, on s'ouvrirait au marché noir, des noirs et des blancs également. Le black and white, ouais, c'est bien ça. On proposerait un pain noir et un pain blanc, oui. Je crois que le vin commence à me taper un peu sur la tête, là. Le vin, comment ça, t'as bien fait ? Vous allez bien, monsieur le gouverneur. Oui, toujours. Il faudrait peut-être que vous essayiez, hein. Votre femme, pouvez-vous, s'il vous plaît, lui... Avez-vous eu une chaise longue, je ne sais pas, pour qu'il puisse s'allonger hein. Ouais, vous inquiétez pas, ça va bientôt passer. Et pour les Indiens, un hamburger vegan. Monsieur Lacy a plein de projets, plein d'intéressants, et je suis persuadé qu'il va m'accompagner du côté de Valentine. Il faut que j'aille voir... D'ailleurs, je pensais à un plat, et pour ces Indiens, la couverture endiablée. Je vais chercher mon manteau dans ces cas-là. Oui, un plat pour eux. Voilà, qui... ce serait une sorte de saucisse dont, avec dans son lit une sauce, bien sûr, béchamel, mélangée avec quelques petites épices que nous connaissions. Nous avons l'habitude de traiter, hein, notamment du safran, un peu de poivre, du cumin, du paprika, et avec, bien sûr, l'épice spéciale. La sauce tipiak. Tipiak, t'es con. Une sauce à base de morra. Il y a quoi de bon ce vin ? Super bon. Ah, n'est-ce pas ? Grand vin italien. Voilà ce que j'aurais à proposer pour nos Indiens. Oui, un homme plein d'idées. Oui, j'ai plein d'idées qui sont en train de germer dans mon esprit comme ça, là. Hein, comme pas trop quand même. Hein. Attendez.
Mais c'est vrai que cette idée de la couverture endiablée, oui, ça serait intéressant. Mais vous avez déjà pensé à faire des communiqués de presse? Au moins pour vous faire un peu de pub. Justement, je comptais sur vous pour la promotion. Ah, je pourrais être votre premier client, ça c'est sûr. Oui, mais pour avoir mais des clients... Vous savez quoi, monsieur Lessy? Oui. Pour vous aider... Oui. Tiens, un verre d'eau. Ah, merci. Eh bien, gentil, votre dame, j'espère que vous arriverez à vos fins avec cette demoiselle. Cela ne vous regarde pas. Très bien. En tout cas, elle est très très gentille et docile. Vous avez bien de la chance, monsieur le gouverneur. Ah. Vous voulez que je vous en remette un dans la tronche? Votre chien, comment s'appelait-il? Snoopy, c'est ça? Et comment va-t-il? Snow, et vous l'avez légèrement égratigné avec votre botte. Comment ça? J'en suis désolé, je n'ai pas fait exprès, je l'ai pris pour un ragondin. Je ne voyais pas très bien de ma hauteur, oui. Mais attendez, que vois-je dans ma poche? Juste un tout petit instant. Mais comment ça? Mais il m'a donné... Oh, attendez, je vais compter tous ces billets. Il est trop gentil de gouverner avec moi, les mecs. D'ailleurs, tiens, je pensais... Bon, je sais pas s'il m'entend, mais ça serait peut-être une très très bonne idée de le cuisiner, ce chien. Je vois qu'il est très très mal en point. Et il en faudrait peut-être pour la clientèle... Attendez, je vais réfléchir. C'est dans quel continent où ils mangent des chiens? Bon, vous me direz ça. Merwan, s'il te plaît, pas de racisme ordinaire, merci. Le dog burger. Ouais, c'est ça, très bien ça, avec le hot dog. On pourrait mettre du bout de chien, ouais. Monsieur Lessy, oui, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous accompagner jusqu'à Valentine? Bien volontiers. J'ai bien reçu ce que vous m'avez donné et C'est pour vous aider dans votre affaire, monsieur Lessy. Très bien, et j'en suis flatté. Merci de me faire confiance. J'espère être digne. Oh, mais j'en suis sûr. Tu as quelques bouteilles d'eau? Pas du tout. Je peux te dépanner si tu veux. Je vois que madame a une très très bonne descente. D'eau, une descente d'eau. Ah. Non mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être y songer, oui. Peut-être des chiens errants pour notre clientèle asiatique. Monsieur Duval, est-ce que vous auriez une charrette à disposition? Alors, la blindée, hélas, n'est pas ici. Mais ah bon, on va y aller en cheval. Ça a plus le coup de monter, je crois qu'ils vont me buter en fait. Ça sera plus simple. Vous avez un cheval vous-même, monsieur Lessy? Oui, un âne. Un âne? Oui. Monsieur Duval, nous apprêtons à sortir. J'aimerais récupérer... S'il vous plaît. Oui. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Un petit pétoir. Et voilà qui vient de débarquer. On était tranquille. Oh non, attends, je peux même pas muter le chat. Merci beaucoup, Deveth. Mamoula. Oui, je reste à côté de vous. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Bon, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Deveth, sur chat D-Live, tous ceux qui sont non-sub, bah, ils love des subs, voilà. Il m'a donné mon arme, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, là, je l'ai, là, lien, non? Tu disais... J'aimerais être... Merde. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Les deux boules pendant 3 heures, ouais. Attends, comment on fait pour enlever les... Le son, parce c'est que pas là, tout ça seul va être... derrière, voyons, venez avec nous. Oui, je vous suis, oui. Je prends l'aspiration. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Ah bah bravo. Remerciez-le, les gars, ceux qui veulent des subs. Est-ce que vous pourriez demander à André s'il peut me sortir mon cheval, s'il vous plaît? Ah, par contre, c'est pas con, Skittles, dégage, je déposerai pas l'argent. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Même que d'habitude. Mais il faut que j'avance, mon petit débat. Tu peux pas faire ça après? Non? Faire une pause? Il y aura 5 heures de deux boules, les gars, je vous le dis. J'aimerais savoir où se trouve la banque. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Bah, j'aurais dit celle de Valentine, en soi, qui est la plus sécurisée. Très bien, oui, parce que j'ai une certaine somme d'argent à ma possession et j'aimerais pas tomber dans... Bah, Valentine, c'est la plus... Enfin, d'accord, c'est pas la plus bien. Grosse, mais c'est la plus sécurisée en termes de... Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Merci. Ah, c'est bon, les gars, il fait une pause. Oh, une bonne mentalité. Il privilégie le contenu. Ah, oh, merci. Si tu veux, quand il y aura Merwan tout à l'heure, pour le à minuit, minuit, une heure, parce que... Oula, on a plus... Monsieur Lessy, c'est est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec?
Oui, attendez, oui, je vais monter. Attendez, où est-elle? Ah, là, voilà. Oui, j'étais en train de parler à Monsieur Duval. Il faudrait absolument que je trouve une banque. Est-ce que t'as déjà léché les deux sécurité. Boules d'un mec? Oui, enfin, oui, quoi. Hmm. Ah, bah oui, oui, bah, celle de Valentine, justement. Oui, il m'a dit qu'elle c'était la plus sécurisée. Très bien, bah, je vous suis. Alors, vous voulez monter derrière moi, monsieur Lessine? Oui, ça sera est-ce peut-être que t'as mieux, déjà léché les deux boules d'un mec? Ce sera mieux, oui. Allez, ouais. Prenez ma main. Je vous aide à monter. Et voilà. Non, mais Demet, si tu dis ou non, mais. Tiens. Envoyez dans. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? TS a bugué, les gars. Putain, fais chier. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Dis pas que tu vas. Putain, il me tue. Mais dis pas que tu arrêtes alors que tu continues. Ah, c'est le délai, ok. Ok, ok, il a offert des noms, d'accord, d'être ce bavant. Le mec, je l'engueule en plus. Alors qu'il. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Attendez, les mecs, parce que je dois me reconnecter TS, parce que là, ça bug Zouz. Les subs ont fait bug TS, ouais, attendez. Hop. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez à nouveau, j'ai eu une perte de conscience. M'entendez-vous? Oui, oui. Très bien, allez plus vite, s'il vous plaît, il pleut là. Ah, désolé, le cheval il tire un peu la gueule. Bon, ça va, il est cool, il est cool, il l'arrête. Tranquille, merci. Merci, David, tu gères. Il était parti pour offrir des subs pendant au moins deux heures. Allez. Les gars, est-ce que je dois me méfier ou pas? Attends, on va voir. C'est bizarre cette histoire. Maintenant, 400 dollars qu'ils me donnent gratuitement. Enfin, certes, c'est pour mon projet, mais je trouve ça un peu louche. Qu'est-ce que vous faites ici? Merde. On se rendait à Valentine, monsieur. Merde, c'est le noir. Parle que fort, mon pas ton temps. Je disais, ah pardon, je disais on se rendait à Valentine. Je dis quoi, je me défie. Je suis pas très à l'aise avec votre machette. Enchanté, jeune noir, vous allez bien, monsieur? Qui t'a demandé de parler? Excusez-moi, désolé, vous nous arrêtiez, c'est pour ça, je. Je parle à celui qui mène le cheval. Désolé, je suis pas très à l'aise avec votre machette. Nous faisons passer si nous n'avons rien, vous. Ah oui? Vous sortez pas de la vente de pépites d'or? Ah non, du tout. Ah non, du non, tout. Non. Vous allez aller un petit peu dans. Sur la droite, là. Il a la même voix que l'autre. Vous allez me suivre. D'accord. Et faites attention, il y a mes amis juste à côté. Faites pas le problème. Les fous. Qu'est-ce qu'il fait? Je sors mon calibre. Je sors mon calibre maintenant, là? Toi, avec la belle tenue. Descends, oui. Le cheval. À vrai dire, non, j'aimerais. Vous voyez ces chaussures, elles valent la peau du cul. Toi, marcher dans le bayou. Dépêche-toi. Putain. J'ai un gun, j'ai l'avantage normalement. Me forcez pas à utiliser machette. Alors, monsieur, en garde. Monsieur, levez les mains, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à nous agresser de la sorte. On ne vous veut aucun mal. Maintenant, laissez-nous partir. Ok? Ou sinon, tu prends deux balles dans ta gueule. Ok, vous connard. Monsieur Lessing, qu'est-ce que vous faites? Une embuscade? Monsieur Lessing, baissez votre arme. Oui, c'est bon, je la baisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais putain, ma thune, putain! C'est dommage. C'est pas toi que je voulais aujourd'hui. Descendez, monsieur. S'il vous plaît. C'est bon. Très bien, laissez-nous partir alors. Descendez tous les deux. Putain, il n'y avait pas les répéter! Descendez tous les deux. C'est bon, tout ira bien, ne vous en faites pas, monsieur. Oh putain, mais pourquoi? Tu m'attaches le grand blond, là? Oh putain, s'il vous plaît. C'est bon, messieurs, s'il vous plaît. Attache-le, vous avez un avantage certain, là, maintenant, c'est bon. Vous voulez nous humilier, il n'y a pas de problème. Nous posons le genou à terre, vous le voyez. Putain, tu me l'attaches? Attendez, putain, il casse les couilles. Bon, c'est pas grave, ça fait un jeu. Oh. Voilà, l'autre tu reprends ton cheval et tu te casses vers Valentine, dépêche-toi. Laissez-moi s'il vous plaît.
Allez, vas-y, mets-le sur mon cheval. Vous allez le regretter. Tire-toi. Vous parlez à une personne du gouvernement, messieurs, s'il vous plaît. Ferme-la. Il y a rien à foutre. Putain, suis-moi, putain. On se dépêche, on reste pas si l'autre y parle. Je vais encore me faire raqueter, putain. J'avais 400$, ça me casse les couilles, je vais me partir en égo, là. On rentre bien attaché. Messieurs, s'il vous plaît, ne regrettez pas ce que vous allez faire, laissez-moi partir. S'il vous plaît, toi arrête de te plaindre, idiot. Tu crois qu'il est sous là pour rigoler? Attends, le Nord est de ton côté, putain, il ne perd rien pour attendre. Je le connais, je vous connais. On s'est déjà croisés, messieurs, pas besoin de masquer vos visages. Ferme-la, oui. Je t'ai dit. Toi qui, toi? Je sais qui vous êtes, nous avons traité ensemble. Et ah, vous c'est tu te rappelles pas? Tu dois 2000 dollars. Je suis John Lee, si vous vous êtes trahi. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas que tu dois 2000 dollars? Oui, je t'ai reconnu, Koba. Koba, je t'ai reconnu. Oui. Mais toi, bien retenir mon nom. Allez, et surtout amigo, on y va, monte. Pas sur moi. On vous le laisse ici ou on vous le dépose quelque part? Je les ai reconnus. Dépose-le ici. Vous êtes des sales brigands, s'il vous plaît. Ferme-la, il t'a dit. Nous avions un deal. Si, le deal c'était toi apporter 2000 dollars, amigo. Oui, c'est ce que je comptais faire d'ailleurs. T'as pas apporté 2000 dollars? Ben si. Non, t'as pas apporté 2000 dollars. Si, j'allais les apporter, justement, j'ai une certaine somme d'argent. Toi 2000 dollars, est-ce que toi 2000 dollars sur toi? Oui. Ok, alors écoute. Hey, pousse-toi l'Indien, y'a rien à foutre de toi. Putain, fais chier. Il te prévient, s'il me donne 2000 dollars, l'Indien c'est pas pour toi. Déco-toi, allez, vous êtes des gamins, les mecs dans le chat. Mais jamais je vais me déco, il faut jouer, les gars. Mais nous, il avait été déposé ici, on va discuter, ok, mais on avait un deal, est-ce que vous l'avez ramené alors? C'est 24 heures pour 2000 dollars. Attends, il avait parlé avec mon amigo, il était là. Je veux le russe. Il n'y a pas des russes ici. Toi, 2000 dollars, oui ou non sur toi? On avait conclu un marché. Réponds. Qu'est-ce que vous faites? Réponds à tout 2000 dollars sur toi, oui ou non? RP Logout, vous êtes sérieux? Oui. Oui, je les ai. Toi, 2000 dollars. Oui, ok, il doit parler à ses amigos. Amigo. Koba, veut veste. Hey, Koba, tu peux surveiller l'amigo qui s'échappe pas, s'il te plaît. Oh, il ferait l'erreur de. Surveiller, il avait dit. Normalement, si c'est des vrais rôlistes, normalement, il me tue pas. Hein. Oui, je t'ai reconnu, oui. Oui, reconnais-moi. Et on avait un deal. Vous êtes censé me protéger, justement. Non. Plus rien ne va entre nous, okay. Le deal, c'était nous occuper, shérif, pour toi. Pour la raison qu'il y a besoin. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez absolument rien fait. Ramenez-moi le shérif et je vous donne vos 2000 dollars. Toi, pas homme confiance. Toi, encore blanc qui parle beaucoup. Merci, amigo. Vous savez, Koba, avoir vous allez connu avoir beaucoup le reste de l'argent. Je n'ai que 500 dollars en ma possession. 500 dollars. Je vous donnerai le reste quand vous me libérez. Non, c'est pas suffisant. Toi déjà eu 24 heures pour donner 2000 dollars. Toi pas revenu. Ferme-la. C'est pas notre affaire. Mais on y va. Vous y a rien à plus. Foutre. Il y a rien à foutre. Il y a rien du tout. Les gars, moi, faut pas qu'on reste là. Allez. Tu me dois 2000 dollars. Toi 2000 dollars. Oui, je les ai les 2000 dollars. Sur toi. Tu me ramènes le shérif. Non, sur toi maintenant. Oui. Oui, je les ai. Laissez-moi un peu de temps. Non, je vais non, te donner non, un accord. Ok, très bien. Amigo, ils sont pour vous. C'est pour vous. Pas problème. Je vous les laisse. Très bien. S'il a vraiment ces 2000 dollars, tu m'as déjà pris. J'ai reconnu ta voix. Tu m'as déjà pris 100 dollars. Allez, s'il te plaît, on y va. Tu me craches dessous. Ne te détache pas. Laisse-moi. Non, il y avait pas les détachés. Il y avait peut-être le copain noir ou deux. Si il fait viens. Filet. C'est bon, on les laisse. Il va faire son RP Vagos, ce con en plus. Allez, 500 dollars. On t'a demandé de partir. Allez, dégage. S'il a les 2000 dollars, on vous les donnera. Putain, il y avait l'achevé. Il y a rien à foutre. Il y a achevé. Merci, madame. Merci, madame. Perds patience, il y avait l'achevé. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. C'est pourquoi on nous a demandé d'agir. Madame, s'il vous plaît. Je suis putain déstressé, il y avait l'achevé. Tu sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Pendant des années, on m'a traîné dans la boue encore dernièrement. Je n'étais qu'une merde. Toi, de la chance, hiro des putains. Allez, il va défiler maintenant, le petit Mexicain. Après toi, j'aurais préféré être avec le Mexicain qu'avec moi. Laisse-moi le couper un doigt, il n'y a rien à foutre. Vas-y, laisse-le partir. Laisse-lui prendre son doigt et on se casse. Laisse-moi le couper un doigt. Il y a prendre un doigt. Ouais, prends-lui un doigt, même deux si tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux. Prends-le, ton petit doigt. Avec un peu de chance, tu vas le sucer. Je suis sourd.
Allez, vas-y, fais ce que t'as à faire, j'en ai plus rien à foutre. Allez, amuse-toi. Ça prolongera certainement ta petite bite, c'est ça? Allez, prends le petit doigt. Si, seigneur, si, seigneur. Au moins, lui, il en a une, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas vu mon paquet. Laissez-moi une chance et vous aurez l'occasion de le voir. Laika. Oh, bon, certainement pas. Oui. Ok, il y a tes Monte avec moi. Et mon cheval, j'en fais quoi? Atoï, dès que tu sais le prendre, tu le mets sur le cheval et on part. Tu sors là, gros de pute. Tu crois qu'il rigole? Tu crois qu'il rigole avec toi? Je pisse le sang! Viens, vous le laisse. Fais le taire. Fais-lui un chiffon de la bouche à ce con. Fais-lui un chiffon de la bouche et qu'il ferme sa gueule. J'espère pas qu'il te recroise la prochaine fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'allez pas me laisser ça. Ça tombe mal, c'est moi qui vais lui couper la langue. La langue. T'as compris? Vous n'allez pas faire ça. Je vous ai rien fait. Et mettez-lui quelque chose, sinon il va mourir de pisser le sang. Amigo, je vous souhaite bonne vie. Bonne soirée, merci. J'ai reconnu la voix du docteur, les mecs. C'est un indien, donc c'est lui. Faites-moi un bandage, s'il vous plaît. Je vais me faire du sang. Tu parles pas avec ce que t'as en bouche. Bannissez webchat, les gars, dans le chat, s'il vous plaît, vite fait. Rapidement, les modos, vite, vite, vite. Est-ce que je mets le micro de webcam? Je lui tire les oreilles. Attends, je vais mettre juste le micro de webcam vite fait. Je vais le fumer les oreilles. Attends, je vais vous fumer les oreilles aussi les gars. Vous allez voir, comme ça vous allez entendre ce qu'il entend. Y'a pas de raison. Voilà. Vous êtes prêts? On va éviter les routes. Ça va l'exagération? Ça va s'infecter. Pas mon problème. S'infecter. Ça va s'infecter. C'est tout le mal que je te souhaite. Ah bah je vous avais prévenu les mecs hein. Je vous avais prévenu les mecs. Ça a été horrible. Je pense que... Il a dû péter un câble. En plus j'ai mis le son à fond aussi sur T-Speak. Il a dû péter un câble le gars. Merci Loza. Ça va l'Englishman? Prétextant une mort de nécrose. J'ai un bruit de neige dans mon écran cathodique. Ah ouais, ça a vraiment vibré. J'ai à pas me laisser pour mort. C'est contre votre code d'honneur, vous les Indiens. Je parle pas d'honneur, t'es très mal placé pour parler de ça. Oui, non, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Laisse-moi. Il me casse les couilles. Je sais où vous êtes. Je sais où vous êtes planqué. Tu ne sais rien du tout. Les gars, vous avez regardé. C'est quoi? Je vais regarder la carte. Hop. Metagame. Rappelez-vous, les mecs. What? C'est quoi cet endroit? Le petit clito là. Enfin, le petit carré là. Ils m'ont pas bandé les yeux, donc c'est bon, je peux reconnaître. Vous n'avez pas à me traiter de la sorte. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vous donnerai tout ce que j'ai à ma possession, mais épargnez-moi. Plus loin dans la bouche, qu'il parle pas, qu'il leur crache pas. Et le prendre, Atoï. Épargnez-moi, s'il vous plaît, j'ai une belle somme d'argent liquide. M'en fous de ton pognon.
S'il vous plaît. Rentre à la... Va dans la maison, toi. Laika, tu sais faire partir les chevaux. Je vais le faire. Je vous laisse. Il leur doit 2 dollars d'un stream il y a 15 jours. Pas trop de bruit. Ils sont trop en égo, là, les gars. Et en plus, ça pue. Qu'est-ce que ça sent? Attendez. Ah, c'est ici que vous baisez vos femmes, c'est ça? Hein, c'est ici hein, que vous organisez des bordels. Hein, vous vous occupez de des petites indiennes que vous ramassez dans les forêts. Les... Hein, c'est ça, bande de sauvages. En dessous, viens. Hein, vous allez me faire subir ça, bah allez-y. Allez-y. Ah, ça s'est infecté, alors... j'ai mal. Alors, ça serait déjà pas commencé un truc. Maintenant, monsieur Lessi, allez gentiment écouter ce que ma chef a à vous dire. Et je vous préviens une chose. À chaque phrase que vous allez dire pendant qu'elle vous parle, je vous coupe un morceau de veau. C'est clair? On m'a déjà coupé un doigt, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Sachez que je suis médecin et que je sais faire... Je sais faire ça de manière, un garrot sur un doigt, ça serait inutile. Par contre, je peux vous mettre le tisonnier et il n'y a pas de problème. Maintenant, ouais. Vous allez écouter ce que ma chef ouais, a à vous ça. Dire. Oui, c'est ça, je sais très bien que vous avez... ce que vous allez faire, bande de sauvages. Baissez-moi le froc et enculez-moi à sec. Allez-y, allez-y. Dis ce que t'as à dire, Leïka. C'est qui, Leïka? C'est ta chef, c'est ça en plus. Hein, Leïka, t'as envie, hein? Vas-y, prends-moi un pieu, prends un pieu rouillé avec plein de clous rouillés, foulez-moi dans le cul. Recule à toi. Toi, recule, t'en fais pas. Laisse-lui de la place. Enlevez-moi, s'il vous plaît, je vous donnerai tout ce que j'ai. Laissez-moi, épargnez-moi. Ouais. Ah, allez, ça fait mal, hein. Ça te fait rire. Et vous savez, c'est quoi l'avantage? C'est qu'on peut vous faire souffrir toute la journée. Je suis médecin, je laisserai vous garder en vie. Non, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Bien, je suis quand même étonné de savoir ce que vous cachez sur vous. Vous êtes médecin, je sais qui vous êtes. Atoï. Je sais qui vous êtes. Doucement, Atoï. Merci, Jack O'Dert. Ce qui serait bien déjà, c'est de savoir si vous avez 2000 euros. Très bien, 648 dollars. On est censé prendre la moitié. C'est la moitié pour nous, n'est-ce pas, monsieur Lessi? Prenez, allez-y, prenez, et achetez ce que vous voudrez avec. Merci, monsieur Lessi, c'est bien gentil. Alors, monsieur Lessi, quelle serait la méthode pour vous de vous faire changer d'attitude? Vous avez récupéré mon argent, maintenant laissez-moi, et baisez votre femme juste devant moi, que ça me sert de spectacle. Alors, je pense que je vais lui crever un œil, et je te laisse parler, Leïka. Ouais. Et on m'a touché tout. On m'a laissé pour mort il y a quelques jours. Vous croyez vraiment que ça m'impressionne? Bah, moi je peux t'assurer que c'est que tu seras mort. Il m'a coupé un doigt. Ah, c'est mieux quand il se tait quand même, hein, plutôt que quand il braille comme un nourrisson. Je suis en train de souffrir. Ouais, et alors? Laissez-moi. Vous savez très bien que maintenant je suis en étroite relation avec le gouverneur. Ils ne perdront aucun quart d'heure. Laissez-moi rire. Chercher à trouver ma trace. Ils le savent que j'ai disparu. Oui, vous ils vous traqueront, ils organiseront des battues pour vous retrouver. Non, mais vous en faites pas, ils ont engagé l'armée pour vous retrouver. Vous en faites pas. Et bien je sais très bien qui vous êtes. Et si je dis Paco? Pardon? Un médecin avec soumis par une indienne. Je suis très bien fait le rapprochement. Soumis par une indienne? Vous savez, la chef derrière vous. Et on se soumet aux gens qui ont de l'importance et des gens qui ont de l'honneur. C'est pas comme vous, monsieur Lessi. Oui, j'ai de l'honneur. En tout cas, vous n'avez rien dans le froc. C'est tout ce que je peux voir. Oh, et c'est elle qui porte la culotte. Alors? Mais on a déjà plus que vous dans le froc, comme vous dites. Ouais, peut-être tout dans le froc, mais que... Allez, bouffez. Attention à toi, Toby, que je te mette pas un coup par erreur. C'est tout ce que vous avez à faire, les Indiens. Hein, à manger les ragnoutes et à considérer ça comme un plat. Il viendra un jour où je vous donnerai à nouveau des couvertures. Et toute votre descendance ne sera plus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je serai vous, monsieur Lessi, j'arrêterai de bouger, vous voyez. On ne sait jamais, l'âme de couteau se très aiguisée. Pas mes cheveux, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est mal parti. Justement, c'est dommage, si tu n'auras plus. Et ce serait toi, j'arrêterai de bouger parce que je n'ai pas lavé ma lame avant de venir. Allez-y, avec un peu de chance, je pourrais faire un head fucking sur la chatte de votre indienne.
ça glissera mieux, c'est ça? C'est ce que vous comptez faire, bande de sauvages? En tout cas, si tu veux tout savoir, les Indiens me font davantage crier que toi. Oui, c'est normal, avec une belle salope comme vous. Je vois que vous avez crié braguette la première fois que je vous ai vu. Vous étiez déjà à la bonne hauteur. En même temps, vous, ça vole pas bien haut quand on vous regarde. Vous savez ce que j'ai fait par le passé, vous me connaissez pas. Renseignez-vous sur le passé de John Lacey en Californie. Je n'ai pas tout dit me concernant. Si vous saviez... Non, mais en même temps, votre histoire ne m'intéresse pas. Elle est inintéressante comme vous. Tu perds rien pour attendre, petite indienne. Ouais, c'est ça. Je raterai aucune occasion de te violer, sale pute. Ouais, bien sûr. Tu rencontreras mon couteau, t'en fais pas. Alors. Tout ce que t'as, un couteau, c'est ça, tout ce que t'as pour défendre, rien. T'as rien dans le froc. T'en fais pas. Qu'est-ce que vous en dites, les gars, si jamais je lui retire ce qu'il a dans le froc, comme il dit? Non. Alors ça. Non, vous n'allez pas me faire ça. Non. Commence par la droite. Non. Ouais, tu crois? Non, je porte à droite en plus. Vas-y. Ah, c'est con. Non. Tu vas être heureux, elle va les prendre dans les mains, tu vas pouvoir être content. Mais si. Je te jure que si mais tu en prends pas ça de manière simple, hein. Déchire-les carrément. Pour combien d'argent? Non, couplé, bien doucement. Je m'occuperai de faire un garrot pour pas qu'il meure, t'en fais pas. Ouais, ça serait pas mal. Ça lui passera l'envie de vouloir violer qui que ce soit. Une boule. Non. Faites-moi une circoncision, j'ai toujours rêvé d'avoir la bite bien éclairée. Vas-y, Lake. T'aurais les boules si je prenais les deux, hein. Non, laisse-moi mes boules. Mais circoncis-moi la bite, si tu veux. Mets-le sur le dos. Non, laissez-moi. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Ouais, bon, il appelle à moi. Voilà. C'est pas grave. T'en fais pas, je vais faire ça par l'arrière. Mais ouais, elles sont si grosses qu'elles dépassent, il paraît. Non. C'est ça. Non. Tu vas regretter, je vas voir, je vais t'émasculer, salope tes ovaires, si un jour je te retrouve. Mais laisse-moi. Tu verras, je peux être un très bon coup pour toi. Pas ces Indiens à la bite molle. Ah, si tu savais. Pauvre petit homme. Et voilà. Non, mon pantalon. C'est un Weston Shotson. Ça devient intéressant. Non. Ça devient intéressant. Eh ben, tant pis, on va dire que t'as 2000$ dans le cul. Microcam, allez, c'est parti. Et bientôt, tu perds une bourse en plus. C'est le cas de le dire, ça te coûte cher, hein. C'est ça. Mon pauvre. Oh oui, et elle fait chauffer la lame un petit peu avant, c'est agréable. Oui, donne-moi ta torche. Bien sûr, je vais voir qu'on cautérise un petit peu en même temps. Avec plaisir, docteur. J'aurais aimé être l'assistant, comme quoi. C'est voilà, je vais faire chauffer. Fais chauffer, vas-y. Mets le fleu sur ma lame. C'est dommage qu'il meure quand même d'hémorragie. Ouais, et l'avantage, c'est qu'une fois à la clinique, je me demande bien qui va le soigner. Oh, pas sûrement toi. Fais-toi plaisir, Leïka. Ouais. Allez, tant que c'est chaud. Vous le voulez? J'ai pas le temps. Hop là. Ah, ça fait du bien. Sale chienne, salope! Ah, ah, c'est fait du bien. Gros chien! Tu vois qu'il apprécie. Ouais. Chien! Ah, qu'il apprécie. Ouais, il apprécie. Chien! Oh. Ah, là, c'est bon. Oh, elle est par terre. Oh, je vais la garder en souvenir, tiens. Tiens, mes chiens vont raffoler. Après, on pourrait peut-être la donner au croco, je crois qu'ils ont faim. Non, je voulais pas faire ça, parfois. Salope! Voilà, ça c'est à donner à manger à mes chiens. Ils m'entendent pas clairement. C'est bien. Ah, ça pisse le sang, je suis en train de vider de mon sang. Ouais, très non, bien. J'ai cautérisé avec la lame chaude. Avec ça, je vois que tu connais rien. Hein. Voilà. On vous laisse un petit couteau dans les mains, s'il vous plaît. Et on vous laisse aller vous plaindre sur ce qui vient de vous arriver. Hein? Au plaisir, monsieur Lacey. Vous ne perdez rien pour attendre. Vous allez payer. La prochaine fois qu'on vous voit, monsieur Lacey, comprenez bien ce que je vais vous dire et je ne rigole pas. Tu ne vas rien faire. Vous êtes mort. Je t'emmerde.
Vous savez, ce qui est marrant maintenant, c'est que vous allez voir dans le journal, tout le monde sera le petit nonuque que vous êtes devenu. Petite fille va maintenant. Ouais, ah, ça. Attends, un nonuque, il faut lui enlever les deux. Et je t'avertis, dans le comté. Tu vas me la bouffer, ma couille. Hein. Et ouais, tu vas bien la sucer. Hein. Oh oui, je vais te la sucer. T'en fais pas que les pédérastes du coin vont se faire un plaisir de t'amuser avec tes petites filles. Oui, c'est ça, les journaux. Oui, c'est ça, je t'emmerde. Je t'emmerde, grosse merde. Alors, je vous préviens, monsieur Lacy, la prochaine fois que vous vous montrez insultant, grossier, quoi que ce soit d'autre, c'est la deuxième que je vous coupe et je vous la fais manger. C'est parce que j'ai plus de charisme que vous, j'ai plus de répartie, c'est pour ça. Vous n'avez rien dans le froc. Tais-toi. Voilà. Vous agissez pas de la demandé sorte. De parler. Voilà, c'est ça, tu n'as rien. Tu n'as aucune verve. Rien, tu ne sais même pas parler, me répondre. Tu es obligé d'agir par la violence. Quelque part, je t'ai battu. Quelque part, j'ai gagné. Absolument et ça, pas. Tu le sais au fond de toi. Mais... Soyez content, oh. Monsieur Lacy. J'ai pris mon pied. Allez. Avec vous. Oui, mais j'espère que t'as pris ton pied, salope. Oh oui. Tu verras, un jour tu prendras la pure en pleine face, connasse. Bien. À ton avis, Atoy, je lui mets une petite flèche dans le cul, oui, comme j'ai l'habitude bah, de faire. Non, non, c'est bon, on y va. C'est bon, allez. Allez, une petite flèche dans le cul, ça me fera plaisir en plus. Ici. Allez, allez, t'as rien, bah alors, on abandonne, c'est ça? Hein? Elle a peur, hein, cette petite pute. Elle a peur, hein. Elle va me toucher en bas. Attends, je vais mettre le truc en... Hey, c'est ça, laissez-moi. On y va. Ah, on y va. Laissez-le. Vous n'avez rien dans le froc. Vous n'êtes pas digne de m'affronter. Tout ce que vous savez, c'est de violenter un pauvre homme sans défense. Siffle-le. Mais vous n'avez rien dans votre bouche, rien dans les couilles. C'est pas ça, avoir des couilles. Monte avec moi. Laïka, je me souviendrai de ton nom, salope. Quelle grosse chienne qui est soumise, certainement, au milieu... d'un gangbang, c'est tout. C'est le seul endroit où je la verrai, cette salope d'indienne. Couper un doigt, ça me fait rire. Les godous, les deux gars, c'est des soumis, c'est trop. C'est là que Lacy deviendra dingue et redeviendra le serial killer. Exactement. Si tu veux, je te le fais en voix off. Et c'est là que Lacy deviendra dingue et redeviendra le tueur en série de Californie. Et régnera en maître sur tout le comté et violera à foison. Je bascule dans le côté obscur de la force. Maintenant, les gars, maintenant roue libre. Si on tombe sur eux, les gars, roue libre en RP. Non, non, en RP, ils ont droit, les gars. Ouais, exactement, ils ont droit de faire ce qu'ils veulent. Ils m'ont pas tué, déjà. S'ils m'avaient tué, oui. Ils ont fait leur set, bon certes c'était... Bravo, vous avez le droit de juger, il n'y a pas de souci les mecs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en plus dans cet endroit. J'aurais préféré que ça continue encore. Moi je kiffais hein, les gars à jouer. Hein. Je kiffais. Hein. Vous dites que c'est honteux, etc. Mais le personnage, voilà, il est ce qu'il est. Et ça il les a mis en égo. Eux, ils ont réagi de cette manière. Ils m'ont pas butax, mais bon. Même si j'étais un peu seul, je me sentais un peu seul là, pour carrer la scène. Eux, ils faisaient juste... ils me torturaient, c'est tout, quoi. Alors qu'en torturant, tu peux... Ouais, tu peux envoyer là, des répliques et tout, hein, faire des trucs sympas, quoi. The live down. Ah ouais. Ouais, je suis en bon micro, là, les gars. Par contre, le mec, là, je l'ai senti qu'on avait affaire à un RP Vagos. Quand il m'a dit de couper le doigt, j'étais comme ça. J'étais blasé, j'ai fait non mais pas sur Red Dead les gars, sérieux, pas sur Red Dead. Le jeu il mérite bien mieux que ça les mecs, sur GTA si tu veux va t'amuser à faire le Vagos. Mais il a tout gâché, à couper les doigts. Là il coupe une couille, là ouais, la seule chose qu'on pourrait critiquer éventuellement c'est le manque d'imagination sur la... La couille ça passe encore tu vois, mais le manque d'imagination, il y a tellement de choses à faire. M'allonger, je sais pas... Même l'Indien, là, il était bon, l'Indien, là. Celui qui faisait, qui nous avait emmené dans sa petite grotte, là. Bon, après, le décor, il s'y prêtait aussi, hein. Qui bouffait des humains, c'était vraiment stylé. Bon, D-Live a un problème, apparemment, ce soir. Sinon, passez sur YouTube, les gars, ceux qui sont sur D-Live. Elle était moisie, leur scène, pas de répartie. Ah ouais. Bon, après, vous pensez ce que vous voulez, mais bon... Tranquille.
Ouais, j'ai de l'eau. Ouais, avec le lasso, ouais, ça aurait été joli à voir de me traîner dans le... De me traîner. Moi, ce qui ferait, c'est d'être... Bah, après, pendu, le problème, c'est que tu prends une mort RP, mais... Ou même pendu par les pieds, tu vois, à un endroit, ça serait tellement drôle. Je sais pas si on peut le faire dans le jeu, les gars. Ceux qui ont déjà joué à la version... Merde, c'est du whisky, ça. Ceux qui ont déjà joué à la version au mode solo. En environ 2 heures, tu t'es fait racketter 2 fois, couper des doigts, raser les jouets, couper une couille, c'est quand même beaucoup MDR, mais t'as tenu, bien joué. Ah ouais, tous ceux qui pensaient, ouais, Riri, il s'est pas joué dans la posture d'un mec. Les gars, regardez, même en étant dans la posture d'un fragile qui se fait machin, j'ai pas l'impression que le perso, se fait, tu vois, ça fait des scènes, quoi, tranquille. Donc quoi, tu vois, tu peux toujours envoyer des scènes, même si tu te fais victime. Du coup, bon, là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, du coup, rappelez-moi, les gars, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont coupé un doigt, coupé les cheveux, donc normalement, pour être cohérent, les gars, je dois me raser les cheveux. Est-ce qu'on partirait pas sur un perso maintenant qu'ils m'ont coupé les cheveux? Genre, on change de skin, on le fout en Eddy Larouille. On le fout en Eddy Larouille, j'avoue. Je vais vous poser la question. La coupe d'Eddy Larouille, les gars. Et là, aucune limite. Et là, vas-y, quitte à faire mourir le perso, vas-y, aucune limite. On tombe sur la même meuf, mais on l'insulte de tous les noms, quoi. Genre, on y va. Si vous avez des synonymes de pute, envoyez dans le chat, ça va être showtime. Attends, tiens, je vais niquer ce petit... C'est quoi, c'est un renard, ça? Non, ça doit être un... Mais arrête de boire, putain. Ah merde, quand j'ai cliqué sur... Mais non, mais reviens. J'appuie sur clic gauche, il boit de... Lâche ta bière, lâche ton whisky, putain. Ah merde, je... Ah putain, ça casse des couilles. Je voulais le terminer, le balayer, mais fait chier. RP ivrogne. Ah, il sort de nulle part. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Par la pointe de son épisode. Chewbacca, ordonné de fuir. Bon, attendez, je finis moi. Tu cours bien pour un monocouille. Bon, on va où, les gars? Alors, vous avez entendu, hein, si on les revoit, ils me butent. Les mecs, bon, déjà, on va refaire le skin. Ça peut être intéressant. On va refaire le skin, les gars, maintenant. Priorité, qu'est-ce qu'on fait? Putain, il faudrait retomber sur l'Indien, là. Il faudrait retomber sur l'Indien qui était friendly, les potes, là. Je sais pas si c'est sur ce... Ouais, c'était sur ce serve, en plus. Mais pour vous, c'est... Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Tailleur de Saint-Denis, c'est ça, hein? Vas-y, on va là, les gars. On verra bien. Merci, Isuko. Je te fais un gros bisou, jeune demoiselle. T'es très gentil. Merci. Et merci, Trompette, pour le don de 666. Oh, putain. Ça m'énerve. Oh, ce jeu, il va m'énerver. Genre, t'es tombé dans l'alcool pour justifier tes prochains abus. Attends, ils m'ont pris combien en dollars, les gars? Parce que j'ai l'impression de m'être fait racketter hardcore, non? Ils font du WinRP, ils sont contents, montre-leur, mets un round, ref. Pour vous, c'est du WinRP vraiment flagrant délit? Ouais, je sais pas. Après, WinRP, oui, si par contre, si je les retrouve et qu'ils me butent, gratos. Ouais, là, c'est un peu abusé, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Pour moi, en RP, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Même si t'as l'aine contre ce perso, il faut vraiment que tu joues un peu plus, quoi. Non? Attends, ils m'ont pris beaucoup plus que... Normalement, c'est un tiers, attends. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour que ce soit cohérent? On va voir quand même le gouverneur, ou... Parce que le gouverneur aura un parti pris, les mecs. À mon avis, ils sont installés sur le serveur depuis des années. Je pense que le gouverneur, il va pas me défendre. Il va jamais me défendre, hein. De toute façon, je sais qui c'est, les gars. On sait qu'il y a Koba dans l'histoire. Mais Koba, lui, on s'en fout. Lui, c'est un hors-la-loi, à mon avis. Lui, il s'en fout. Je pense que le gouverneur, à la limite, il aimerait le choper. Mais l'autre, c'est le docteur. Est-ce qu'on les balance? Vous voulez pas qu'on les balance et qu'on voit la réaction du gouverneur? Juste pour savoir s'il est de mèche. Juste pour voir si on a une épaule sur... qu'elle s'épaulait. Parce que je sais pas, il paraît que dans le RP, ouais, parce qu'il y a des normes, soi-disant. Mais pour moi, les mecs, on est d'accord que c'est le docteur Paco, hein. C'est cramé. Ça peut être que lui. De toute façon, même quand je l'ai dit, il a rien dit. C'est pas défendu en disant, ouais, c'est pas moi.
même s'il était masqué. La fille était pas masquée, on est d'accord que la fille était pas masquée. On l'avait croisée chez le gouverneur. Donc elle, on peut la balance. Elle s'appelle comment? Laïka, c'est ça? Oui, va le voir. S'il t'aide pas, tu peux livrer, car c'est clairement de la victimisation en RP. Hors RP. Oui, t'as reconnu. À mon avis, le goût va donner 400$ en sachant que t'allais perdre 300, sachant que tu avais demandé 100 en gros et t'as ce que tu voulais au départ. Mais à la base, c'était pour monter le business, mais ça me semblait un peu gros, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça me semblait un peu gros de donner autant. Après, le médecin, c'est lui ou moi, quoi. Ah, pour vous, c'était prévu. C'est fou le délai ici. Isuko, ouais. Attends, on est où ici? C'est stylé. Ah non, c'est Saint-Denis. Isuko, ouais, apparemment il y a un peu de délai, mais bon, c'est les serveurs. Hein. J'espère que quand je serai partenaire, ça sera un peu mieux. Oui, c'est sûr, c'était prévu. Ah ouais, pour vous, ça se voit que c'est scripted. Ouais, ok. Bon, après, ça. Ouais, je sais pas. Je trouverais ça un peu. J'aime bien quand il y a une part d'improvisation. Mais si de base il avait prévu ça, c'est un peu chiant quoi. Ça veut dire qu'il se serait fait passer le mot sur Discord et tout, vous pensez? Non, je pense pas. Ouais, faut voir. Il t'a dit que c'était le médecin. Ok. Hyper nice, surtout quand ça concerne un joueur on en RP, laisser l'impro. Les vêtements, c'était où déjà, les gars? Ah merde, c'est pas ici. Bon, toi, tu vas voir. Toi, je vais te prendre direct, toi. Il est beau celui-là. Bah oui, le mec te propose sans raison de venir avec lui et tu te donnes de l'argent, t'as dit de venir sur son cheval. Ah, tu penses que le premier move là déjà, du gars là, du random, parce que lui il est rien arrivé, mais si, il s'est fait agresser aussi, non? Ou il a rien eu lui? Salut Bibi. C'est trop marrant parce que ce personnage, il arrivait en mode richou, schlagued. Richou, et là il redevient Schlagged. C'est pas mal ça ce qu'on fait en termes d'RP. Ils l'ont laissé partir. Et là il va redevenir Schlagged. Par contre, les gars, ma thune, j'en fais quoi? Parce que là, ma thune, il faut que je la cache quoi. Il faut que je la mette à la banque. Bon, là on a full thune, les gars, on peut se faire plaisir. Attends, je l'avais pas tenu, attendez. Ah merde, j'ai enregistré qu'une tenue, j'avais enregistré la tenue classe. Rappelez-vous les mecs, c'était quoi attends, je vais tout remettre. Voilà, les tongzouz. Le mec, il va faire des allers-retours chez le gouverneur. Ouais, je suis à nouveau pauvre et tout. Le running gag. Ouais, redonnez-moi de l'argent, la victime du serve. Et à chaque fois, il se fait racketter toute sa tue. Oh putain. Non, à un moment donné, non, à un moment donné, on va se rebeller les gars, je vous le dis. Le mec victime. Tout le long. Par contre, attendez les mecs, parce que les cheveux, comment on fait pour les cheveux, les gars? Et meilleur que sur 5M, je comprends pas tes questions. Tu veux dire que le RP sur Red Dead est mieux que GTA? Bah oui, largement. Enfin, l'univers. Après, les joueurs, bon, c'est pas encore full quali, mais c'est un poil mieux quand même que GTA. Barbier. Ah, il y a vraiment un barbier. Ok. Est-ce qu'on reprend la même tenue Schlagged? Vous vous rappelez, les gars, c'était dans quoi? C'était manteau? Non, mais les gars, on met pas boule à Z. Ils m'ont scalpé. Enfin, ils m'ont semi-scalpé. Donc, on va dire qu'ils m'ont enlevé les cheveux. On peut mettre la coupe d'Ayuri de Dilarouille. Ça passera pas de problème. C'est d'accord, les mecs? Ça restera cohérent. Sérieux, mets ta thune à la banque. Ouais, parce que j'en ai marre de qu'ils me prennent autant de thunes, ces bâtards. Non pas que ça mette en égo, parce qu'au final l'économie je m'en fous, mais bon, eux ils sont contents, ils ont récupéré leur argent juste pour leur foutre la haine, tu vois. Parce qu'à chaque fois c'est vrai qu'ils me prennent beaucoup de thunes et c'est énorme ça. Là ils prennent des putains de des centaines de dollars à chaque fois, c'est pas un peu chiant les gars? C'est une salopette, ouais, mais vous avez le code ou pas? Et dans quel onglet? Dans manteau? Dans chapeau? Dans quoi? Dans chemise? Rappelez-vous les gars, putain, on avait trouvé un truc, c'était tout. Bon, déjà, je vais mettre 100. Et on verra.
belt, forcément, on va prendre le truc d'esclave. De Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est parti, RP Kunta Kinte. Hop, merde. Voilà. Pantalon 347, merci frérot. Pantalon 347 et on est bon. Ok, t'as géré. Toi, t'es un bon, toi. Ah ouais, c'était un pantalon, bien vu. Oh putain, t'es trop chaud. Tu t'es rappelé, mec. T'as une putain de mémoire. Et là, j'enlève la chemise, ouais. Hop, et là, on est bon. Là, juste qu'à recharger. What the fuck. Je te jure, il est trop chaud, le gars. Accessoire 100. Habiller le personnage, enregistrer la tenue. Schlag. Et là, on fait quoi déjà? Non, pas ça. Votre personnage. Recharger le skin. Et là, on est bon normalement. Est-ce qu'on est bon, les potes? J'ai envie de t'abonner, mais j'ai pas d'argent. T'inquiète pas, ils vont. Mais je pense que bientôt ils vont mettre les subgifts sur YouTube, vu qu'il y a Docteur Lupo, je crois, qui est venu. Et il y a un nouveau streamer aussi, Team Zatman, qui vient de débarquer. T'aurais dû mettre une monocouille. Mais non, mon cheval. Alors, c'est où sur la carte? Tain, ça va être stylé, les gars. On va refaire un ID la rue. Alors, c'est où? Dites-moi où c'est, les gars, dans le chat, ceux qui ont l'habitude. Ah ouais, c'est ça. Barbier. Bien vu. Putain, mais Riri, t'es fort, putain. T'es plus un boomer, tu t'es amélioré. Oh, ce jeu est magnifique, les mecs, pour faire du RP, putain. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout le temps des bons joueurs, quoi. Barbie, il est où, les gars? Ça doit être là, non? C'est là? Bien le bonjour. Ouais, j'ai souffert maintenant. Ce ne sera jamais du passé, je m'en souviendrai toute ma vie, ce qu'ils ont fait. Messieurs, laissez-moi m'installer, faites-moi quelque chose, Eddie Larouille. L'esprit d'Eddie Larouille est en moi. Je vais me Eddie Larouilleiser. Bon, allez, showtime. Ils vont même pas me reconnaître. Ils vont jamais me reconnaître, les gars. Au pire, les gars, ce que je fais, je me surnomme La Rouille, quand, parce qu'au final, je change pas mon prénom, mais je me surnomme juste La Rouille quand je me présente, ok? La Rouille. Ok? La couille ou La Rouille, j'avoue, pas con? La couille. la couille. Mais enlevez webchat, les modos, s'il vous plaît. La couille. C'était quoi son prénom déjà? John la couille. John la couille. On s'appelle John, on valide John la couille, voilà. Comme ça? Il faudrait des cheveux roux. John glace une bouille, une boule. Attends, c'était pas celle-ci, c'était pas cette coupe-ci? Non, je vais voir s'il n'y en a pas une autre. Eddie la crouille. T'es sûr que c'était celle-ci? Est-ce que... Bon, on va voir. Celle-là? Non, l'autre est plus, je pense. Non, elle fait plus schlagged. Vas-y, on garde, vous avez raison, les mecs.
laisse le blond. Ah ouais, c'est vrai qu'il était blond. Putain, fait chier. Ouais, mais là, il n'y a pas de blond, les gars. Donc, on fait quoi, Hong? Ouais, il n'y a pas de blond, c'est vrai. Putain, on va prendre l'autre, hein, les gars, non? Ça sera mieux. Putain, vraiment, on pousse le RP loin, les gars, quand même. On est vraiment fort. Hein. Voilà. Non? Comme ça. Blond comme ça, c'est bon, parfait. Une barbe ou pas? Non, pas de barbe. Attends, je regarde s'il y a un truc équivalent, juste une. Le mec, il arrive avec une barbe. Attends, il faudrait vraiment une grosse barbe. Mais... non, une barbe de schlag. Qui s'y connaît en barbe de schlag, les gars? Dites-moi si vous l'avez. Non, là, ça fait vraiment homme des cavernes. Edith Violeur. Ça? Attendez. Non, j'avoue, une barbe, ça serait mieux. Une barbe de 3 jours, ouais. Dites-moi quand vous l'avez, quand vous le voyez, hein, les gars, okay, parce que ça, c'est vraiment important, une barbe, ouais. J'avoue, t'as raison. Comme ça? Non. On dirait une chatte. Même pas de barbe, on t'a coupé les cheveux, pas fait pousser une barbe. Bah si, mais une barbe, mais pas longue, tu vois, une petite barbe. Une barbe sale. Comme ça? T'as perdu une boule, t'es devenu amiche? T'es resté 3 semaines dans la cave pour avoir cette barbe. Ouais, on me dira que je suis resté longtemps dans la cave. Ouais, ils m'ont laissé pour mort. J'aime bien cette expression. Ils m'ont laissé pour mort. J'arrive pas à trouver une bonne barbe, les gars. Je pense qu'on va faire ça. Une barbe comme ça en double chatoun. Il y a trop de choix, mais il y a pas ce que je veux. Ah, peut... Non. Ça? Non. Ouais, je trouve pas. Bon, c'est pas grave, on laisse, hein. On laisse sans barbe, hein. Ou comme ça, peut-être, à la limite, en blond. La double chatoune. Vous voulez la double chatoune? Too much, la double chatoune, ouais. Et ça? Ça l'est un peu fournie, quand même, celle-ci, non? Comme ça, ça passe bien en blond? Ouais, ça passe. Ouais, j'avoue, ça passe encore. Parfait, ouais. Ouais, ça passe. Ouais, ça fait un peu... En plus, ouais. Ils vont voir encore. Enfin, ça va être énorme. Merde, comment on se barre? Donc là, on est, du coup, on a les cheveux. C'est bon, Razed. Il manque une couille. Et un doigt. Bon, un doigt, on va le jouer en RP, c'est pas grave. Après, un doigt, c'est un doigt. Mais lui, c'est l'autre qui a tout niqué à faire un doigt. C'est vraiment de la merde. Pourquoi les gens, ils font ça? Qui est le premier connard, les gars, qui a fait du RP coupage de doigts, en fait? Et qui a lancé cette mode? Je préfère limite le coupage de bite ou couper une oreille. Mais le couper le doigt, je trouve ça dégueulasse. Non, c'est pas Poncefleur. Non, c'est pas JL Tommy. Arrêtez de dire des bêtises. JL sûrement. Non, non, non. Il... non, mais bien avant. Parce que les JL, ils sont, ceux qui font du RP, ils sont là que récemment, je pense. Ils étaient pas là il y a longtemps. Je me demande si on a même pas commencé le RP avant eux. Alors. On doit aller où? Pensez qu'ils sont gouverneurs. Gouverneur, c'était où déjà? Shérif, théâtre. Ouais, c'est ici, je crois. Non, c'est ça, hein. Ouais, c'est ici. Gauthier aux gens bavards, à dire des bêtises. Il a dit. Sûrement des arabes. Calme-toi, des arabes à joie. Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, les gars, les modos, sérieux, quoi. On tolère pas ça ici. Ça doit venir d'Eric, hein.
mettez des fleurs dans le chat, les gars, s'il vous plaît. Pourquoi il dit vraiment ça? C'est mignon. Mettez des fleurs dans le chat. Miltili, Bacar. Ouais, bah là, ils savent qu'ils sont pas sur Twitch, ils savent qu'ils sont pas contrôlés, qu'ils peuvent pas avoir des comptes bannis, donc ils en profitent. Dante, ouais, je sais. Ouais. Pareil pour D-Live. Hein, et... Donc du coup, attendez. Le speech, parce que là, je les vois là-bas. Du coup, j'arrive en mode paniqué, essoufflé, avec une voix un peu rocailleuse, et je leur explique, je dis clairement au gouverneur que je me suis fait agresser, et qu'il m'a envoyé ma fille. Il faudra tout expliquer. Mais non, il a pas été ban, Quentin, si ? Il m'a débannissé, Quentin, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a été Théo, c'est tout. Gouverneur. Il a plus de job. Oh là là. Cachez-moi. J'aimerais parler au gouverneur, il s'est passé quelque chose de très grave. Non. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il vient d'où, le truc de cul, là? Je vous en prie, venez avec moi. Non mais du coup... Ouais, on va lui enfoncer les scies en bois. J'ai été victime d'une agression et d'une telle violence. Tout ça, des tirs, et... tout ça. Monsieur... Où ça? Qui ça? Monsieur Lécy? Oui. Vous me reconnaissez, oui. Appelez-moi là. Appelez-moi désormais John Lacouille. Criminel appréhendé. Ne rigolez pas, c'est très sérieux, on m'a agressé, je les ai reconnus. C'est le docteur, c'est le docteur Paco avec sa connasse, son indienne, son chef. Ils m'ont pris à partie. Vous vous appelez ils comment? M'ont... Quoi? Ils m'ont vous appelez pour comment? Dans une grotte. Tu ils t'appelles comment? Pardon, pardon. Tu t'appelles comment? Écoute-moi, connard, y'a rien de drôle. Ça t'amuse, maintenant tu sors de là. Je suis en train de parler au gouverneur. Hey, qu'est-ce qu'il veut? Non, Chaïf. Tiens, pas autrement, toi, tu sais pas à qui tu parles. Tu sais pas à qui tu parles. Écoutez ce qu'il a à dire, ça a l'air très sérieux quand même. John Lacouille, maintenant. John Lacouille, allez. Voilà, père. Ils vous en ont enlevé une? Oui. Ah, voilà. Elle est où? Ah. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah, Knight, on a trouvé vos zizi. Je sais pas, ils m'ont pris mon argent également. Ils m'ont pris mon argent. Ils m'ont acquitté. Et si je les retrouve, j'aimerais que justice soit faite, s'il vous plaît. À moins que je la fasse moi-même. C'est tout ce que je vous demande. Est-ce que vous avez prévenu les autorités compétentes? Ne vous inquiétez pas, je vous ferai. Je suis directement à vous. Je savais que vous alliez me protéger. Savoir faire quelque chose, dites-moi ce que je dois faire maintenant. Attendez, il y a plusieurs choses que je comprends. Vous êtes sûr que c'était eux? Je vois pas la raison pour laquelle ils vous auraient agressé comme ça. Le docteur, il était là d'ailleurs à chaque fois, ils m'ont coupé le doigt. C'est lui qui était là en train. Il l'a même dit. Il a dit on va te torturer. T'en fais pas. À chacune de tes blessures, à chacune de tes plaies, je vais te soigner pour que tu souffres encore et encore. Ah bon? Qui donc, Mataki? Oui. Mais c'est terrible, c'est horrible. Oui. Et l'Indienne de la copine, une certaine Leica. Oui, j'ai tout entendu. Oui. J'ai repris mes esprits. Qu'est-ce qui se passe là? Leica et pas comment. Ils m'ont torturé, ils m'ont coupé la couille. Ils m'ont également scalpé. Regardez, je n'ai plus un seul cheveu. Sur le haut de mon crâne, j'ai plus rien. C'est eux qui m'ont tout rasé. Ils ont pris les sourcils avec toi aussi. Où se sont passés tous ces actes? Dans une grotte, ils m'ont emmené dans une grotte, je sais plus où. Bon, un peu de sérieux là. John Lacy, j'espère que vous n'avez pas bu le vrai signe, monsieur gouverneur. Non. D'accord. Je n'ai rien bu, je vous assure que c'est vrai. C'est depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, je vais prendre note. J'étais avec monsieur, il était moi, celui qui m'a accompagné, je suis monté sur son cheval, il est là d'ailleurs. Je l'ai reconnu. Monsieur, venez ici. Il est où? Mais vous lui avez donné quoi comme drogue à lui? Je sais pas, il a peut-être bu un vin. Il a bu le vin du gouverneur tout à l'heure, le même que ce qu'il vous a donné. Je n'ai pas bu, j'ai eu le temps. C'est pour cela. J'ai eu le temps d'être sous les. Je suis resté. Il a été torturé, je pense que. Docteur ! Il a pas besoin d'avoir bu pour être dans cet état. Attendez, avant toute déclaration, docteur Lou, est-ce que vous pourriez ausculter? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Duval, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas été infecté, ils m'ont coupé également un doigt. Oh, s'il vous plaît, docteur.
Je oui sais où je suis pas dans qu'est-ce une. Qu'est-ce qui se passe? Prenez mon bureau, docteur. Attention, quand vous n'étiez pas la matière, si. Tu vas voir ouais ce que tu vas voir, sinon. Lou, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, comment tu es pas la main du chéri, je vais dans ta gueule. Confiance, s'il vous plaît. Chéri, on va se mettre par là. Et puis, par ici. Restez. Il n'y a pas trop de cohérence, les gars. Je suis presque pas ici. Monsieur le gouverneur, je vous montre mon doigt qui est coupé. Regardez. Je voulais pas le faire. C'est dégueulasse. Vous allez voir ce qu'ils m'ont fait. Vous allez voir par vous-même. Allez. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est. Non, mais. Je vais montrer, je vais me mettre à poil, les gars. Là, oui, évitez de montrer c'était ça, là, ils vont vomir. Comment on fait pour enlever le pantalon? Ah oui, c'est vrai que là... Oh, yeah, yeah. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour les contrarier à ce point? Ça, va, vous... ça va, monsieur? Est-ce que t'as fait un rituel? Attendez, je... Lou, s'il te plaît, retourne-toi, je vais leur montrer, je vais montrer au gouverneur. Ah oui, là, monsieur Lass, j'ai bien compris. Regardez. J'espère que lui. Je sais pas, il dit qu'il s'est fait scalper. Regardez, couper ils m'ont enlevé. Une couille, un ils doigt. M'ont enlevé une couille, pardon, regardez. Une testicule. Ah là, c'est dégueulasse. Un testicule. Et vous avez pas mal. Comment vous faites? Ah bah, il a tapé mon chien, c'est dommage, c'est pas moi qui l'ai circoncis. Parlez-moi, pardon. Parlez-moi fort, s'il vous plaît, ici. Tout le monde là, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi couper une couille? Mais qui vous, pourquoi dois-je vous parler, vous? Il est shérif. Monsieur... Attends, c'est pas le même perso qui joue le shérif, le mec qui m'a agressé, le mexicain, plus le gars. Mon prénom, attention, s'il te plaît. C'est bizarre, je reconnais sa voix, c'est bizarre. On va me reconnaître. Monsieur, j'arrive ici en tant que victime. Vous êtes censé faire votre travail. Pourquoi vous rigolez sur mon sort, monsieur? Je ne le sais pas, personne qui m'est arrivé. Je n'ai pas rigolé. Si. J'étais sous l'emprise d'un gros bouteille de vin. Monsieur le gouverneur, c'est comme ça que sont vos shérifs ici dans votre comté. Non, là nous sommes sur une occasion particulière. Cette personne ne semble pas être la plus appropriée, la plus compétente pour gérer mon cas. Bien sûr que si, monsieur. Cela dit, par contre, shérif, il pourrait être intéressant que vous puissiez accompagner notre... Ouais, Lou, et ce monsieur... Oui, j'aimerais que Lou jette déjà un coup d'œil sur les plaies. Bah alors, avant que vous partiez... J'ai fait vider de mon sang, heureusement. S'il vous plaît, ne me regardez pas, j'ai plus de tétons. J'ai réussi à avoir un peu de force pour sortir de cette cave. Avant que vous partiez avec le shérif et le docteur, j'aimerais que vous vous entreteniez 2 minutes avec moi, s'il vous plaît. Oui, allons-y, juste 2 minutes, je souffre. Il faut absolument... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Deux choses. Vous portez des accusations sérieuses auprès de Dame Leica et du docteur Paco, ce que je prends moi-même très au sérieux. Ils assureront de toute façon. Ce que je prends moi aussi très au sérieux. Également. Vous êtes bien sûr de vous, vous les avez reconnus. Je suis sûr de moi. S'ils m'ont dit qu'ils me recroisaient, ils allaient me tuer. D'accord, donc il faut que je prenne contact rapidement avec eux, histoire qu'ils me confirment ça et qu'on comprenne les tenants et aboutissants. Sinon je vais être extrêmement déçu de votre part, monsieur le gouverneur. Vous devez agir dans cette affaire. Tout à fait. Vous allez partir avec le shérif et le médecin que le médecin puisse vous apporter les premiers soins et que le shérif puisse prendre votre déposition ainsi que ses collègues. Mais ça saigne, je l'avais pas vu. Et vous inquiétez pas, l'enquête va être menée de manière tout à fait correcte et vous serez informé des différentes avancées. J'espère bien, vous savez où les trouver de toute façon. J'espère que je porte pas un liquide approché d'une de ce temps, il y a des preuves. Regardez mon doigt, vous allez certainement le retrouver dans une des grottes où ils sont régulièrement. Je peux vous guider vers cette grotte. J'étais boire un petit café. Bon, Monsieur Butcher, vous prenez le médecin et notre hôte, et puis vous allez l'accompagner jusqu'à la montagne pour que le médecin puisse le sculpter. Ce sont des méthodes des Indiens, ce sont des sauvages. Vous savez ce qu'ils m'ont fait, vous savez très bien qu'ils avaient dedans contre moi et qu'ils m'ont menacé. Vous l'avez même dit que je n'étais pas en sécurité ici. Nayati va regarder comment la méthode a été faite, Kana. Très bien. Enfin, Monsieur Butcher, pardon. Laisse tomber, ce sont tous des potes, ils vont rien faire. Vous pouvez faire appel à un conseiller éventuellement si vous le souhaitez, c'est pas un souci. Ouais. Bon, je vous laisse Je vous assure que c'est urgent, il faut absolument. Je suis ton ami à toi, vous voulez que je pose ma couille sur mon front, c'est ça, bah regardez. Oula. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est terrible. Là, je suis pas prêt à voir ça, moi. En plus de ça, vous la voyez? C'est comme ça. Vous la voyez maintenant, ma couille. On peut dire, vous avez une tête de couille. Écoutez, je vais me permettre de vous appeler John.
John. Déboutonnez votre ceinture et puis mordez-la. On en arrive à... Ça reprend. Il est dans ma poche. Vous avez eu un petit lapsus. Je garderai cette couille près de moi jusqu'à temps que la justice sera faite. C'est bon, c'est parti. Et je le ferai bouffer à cette indienne. Demandez au docteur Lou si elle peut pas la, si elle peut pas la recoudre. On va voir. Monsieur John, le temps presse. Il faut absolument plus vite vous accompagnerez le shérif avec de sorte à aller voir ses collègues à Valentine pour votre déposition. Plus vite ils pourront se mettre en route pour. Oh fuck. Oui. Elle est où, Lou? Lou. Bon, John, c'est Nayeti, tu vas te calmer. Hein. J'aime pas quand il dit Lou. Allez, ça m'angoisse. Ah, le dernier. Le chien, vous les accompagnez et vous. Bien sûr. Et voilà. Mais je ne pouvais pas savoir, je n'étais pas reconnu. Sous ce chapeau. Comment ça? Oui. J'ai entendu. Venir, on sort. D'accord. Où ça, Nayeti? Qui a des hallucinations ici? Oula. Yes, Nayeti, c'est le shérif. Nayeti. Je ne suis pas Nayeti. Ok, tu n'es pas Nayeti. Oui, voilà, je suis un ami. Attends, attends, il faut absolument que Lou vienne avec nous, il faut absolument qu'il Lou, on cheval, va où? Prends un cheval, toi. On ouais. va, Doc, Saint-Denis, ouais. Non, c'est... Attends, c'est-à-dire que Nayeti jouerait plusieurs personnes... Non, je pense pas. Non, l'autre, il avait un autre accent, un autre micro, mais bon... Oui, vas-y, monte. Ils t'ont vraiment braqué. Je comprends plus rien, mais j'en ai marre. C'est je pas sais pas pourquoi ils jouent plusieurs rôles, les gars. Nayeti, je sais que c'est toi. Je vais pas te faire confiance. Nayeti, il s'est passé quelque chose de très grave. Je sais pas si tu connais Leika. Ils sont l'acolyte de ce connard de fils de pute qui veut la peau. Je sais pas pourquoi il en a pris moi, encore une fois. Paco, me dis pas que t'es avec eux. Me dis pas ça. Je suis shérif, John. Je suis pur, Nayeti. J'ai été banni des terres indiennes. Parlez moins fort, hein, peut-être. D'accord, quel est ton nouveau nom alors, dis-moi. Aaron Butcher. Ok, Butcher. Je te fais confiance. Oui, je te fais, fais-moi confiance, oui. Butcher, s'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Lou, s'il te plaît, allons à Lou. Dulciné, fais confiance. Je soigne-le. Et après, on verra ce qu'on fait. C'est pas le mec qui faisait... Non, c'est pas lui. Attends, c'est qui faisait C'est le noir, c'est le noir, il est différent. Comment t'appelles-tu maintenant? Je suis toujours John Lacey, mais maintenant, tant je serai encore comme ça, dans cet accoutrement, dans cette pauvreté, appelez-moi John la couille. La rouille, la couille, oui. La douille, bon, je ne sais plus comment. Comment? La couille, ok. Il est passé d'un indien à un shérif, je comprends plus rien les gars, mais par contre c'est... Oui. Par contre c'est... Fais lui attention qui, à l'eau, si je joue plusieurs il a mis sa couille sur ça le rien, les gars, je joue fond, plusieurs gouverneur. Oh mon dieu. Vous allez peut-être la voir sur le bout des cheveux. Oh pardon. La femme du shérif, pareil, c'est la Laïka. Oh, la femme du shérif, c'est Laïka. Mais John. Non, je comprends rien, la femme du shérif, là. John. Oui. Oui, fais attention au pistolet. Je voulais savoir, Leika, est-ce que c'est la femme du shérif? Enfin, la femme du gouverneur? Pas du tout. Ah. Être juste chef indienne, c'est tout. D'accord, il faut absolument la retrouver. Elle t'a fait ça quand? Ils m'ont fait ça il y a quelques jours. Ah, t'aurais dû venir quand ça s'était fait. Et ça a été fait, bordel, ça a été fait. Ça a été fait il y a 2-3 jours, c'est pour ça que je suis là, je suis revenu. Il a fallu que je revienne à pied. Tiens, tu connais bien cette salle, je crois. Lou, s'il te plaît, je te fais confiance. Oui. Est-ce que c'est possible? Je sais que tu vas être quelque peu dégoûté, mais j'ai perdu mon testicule. Ben oui, c'est des choses j'ai qui arrivent. Encore avec moi, est-ce que c'est possible que tu la remettes en place? Ah non, c'est pas possible. Non, vous pouvez le garder, le sécher, le mettre au tout de votre cou, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Hein. C'est... Ouais. Je vais lui faire bouffer ma couille à cet indien. Oh non ça. Bah, oh, c'est dégueulasse. Bon, installez-vous. John, juste fais pas peur à Lou, s'il te plaît. Elle a peur de ta voix. Oui, je sais, elle a été impressionnée à l'époque. Oui, je m'en souviens encore, mais Lou, sache que j'éprouve toujours des sentiments pour toi. Fais attention comment tu parles à Dulciné.
Moi, ça m'angoisse un peu, monsieur, que vous ayez des sentiments pour moi. Je suis désolé. Hein. Voilà, nous restons amis. Ça me va comme ça. Ça, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? Négatif. Attendez, Butcher, tu es... Calmez-vous. Avec Lou? Non, non, du tout, du tout. Calmez-vous. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, enculé, pendant que je suis pas là. Je vous nettoie. Allez, essayez de rester calme. Tu t'es tapé ma gonzesse? Non, non, mais calmez-vous, il s'est rien passé du tout. Attends, attends. Monsieur Lessie, monsieur Lessie. La chair de ma chair. Attends, Inayati, tu m'as sauvé. On se calme, messieurs, pas d'armes ici, hein. Inayati, tu m'as montré ton antre. Tu t'es confié à moi. Allez, sors. Pourquoi tu me fais ça? Sors, Inayati, s'il te plaît. J'ai rien fait avec. Sors, s'il te plaît. Tu restes là, juste ici, là. Non, non, tu vas pas trop loin. Me laisse pas toute seule avec lui. Reste ici, s'il te plaît, merci. Mais pourquoi il rigole, là, là, donc... Bon, même drôle. Je prends beaucoup sur moi, hein, vous savez, là-dessus. Hein. Oui, je vois ça. Eh ben, vous me faites... Ils m'ont coupé un doigt et regardez au niveau de mon testicule, s'il vous plaît. Bon, alors, oui, je vais déjà nettoyer votre testicule, hein, mais je peux pas le remettre, hein, ça, c'est pas possible, hein, monsieur. D'accord? Oui, mais à son âme. Je portais à gauche tellement. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, les deux, ça sort pas forcément. Un seul suffit, hein, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Puis dites-vous que l'avantage, c'est que ça sera moins lourd, hein. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez la tenir un instant, ma couille, non? Non, vous pouvez la garder, je vous en fais cadeau, enfin c'est la vôtre après tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Je vais pas la mettre en pendentif, hein. Bon, excusez-moi, je vous nettoie, ça va vous faire mal, hein. Bon, c'est pas vraiment très agréable, excusez-moi, mais ça me gêne beaucoup. Je vais pleurer, je crois. C'est du bien. J'espère que je vais pas vous faire trop de bien quand même. Ça commence à devenir gênant. Vous allez recoudre, c'est ça. J'ai mis quelques feuilles séchées pour faire une compresse. Ah oui, regardez, non, mais les feuilles, c'était pas une bonne idée. Infecté, c'est ça. Ah oui, non, mais là, maintenant, c'est collé. Hein, je suis désolé, monsieur, mais là... Ah, oh là là, ça doit vous faire mal. Hein. Ah oui, bah c'est bon, calmez-vous quand même. Hein. Vous avez ça dignement bien, ça détend. Ben, ça. Vous êtes oui, à la pulvère, oui. Oh, je sens l'air dans les... Oui, bah pas trop quand même. Hein. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop d'appel d'air, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin ah, bref, ouais, je vais vous recoudre, hein, par contre, là, monsieur. Hein, je suis obligée. Hein. Oui, allez. Ça va être beaucoup moins l'extase, hein, vous allez voir. Hein. Enfin bon, ça, moi, je vous dis ça maintenant. Bon, alors, voyons voir où c'est que j'ai mis les aiguilles. Ça va être par là. Vous voulez un verre pépé, vas-y, si vous voulez. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu être fleuriste, moi, finalement. On va pas faire ça, hein. On l'avait fait, les mecs. Pardon, excusez-moi, je n'arrive pas à passer. Vous avez des grandes jambes, hein, vous êtes quand, vous, hein. Allez-y. Bon. S'il vous plaît, que ça dure pas très longtemps. Oui, ben là, serrez les dents, parce que ça va vous faire mal. Hein. Je suis désolée, mais je suis obligée de recoudre. Allez, on y va, on serre les dents, hop, je pique. Hein. Voilà. Allez, comme ça. Oh là là, fou. Ça va, monsieur? Vous dites plus rien, hein. Vous n'êtes pas mort, quand même. Bon. Et voilà. Ouf, bon, ben, c'est fait, ça. Hein. Ah, ma joie. C'est fini, calmez-vous. Je vous ai fait deux petits points, là, ça va aller maintenant, hein. Ah. Attendez. Monsieur, ça me détend. J'arrive à me détendre. Oh. Ouais. Ah. Oh. Oh, bah, c'est merveilleux. Oh. Bon. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Oh. Voilà. Oh. Hop là. Vous m'avez détendu. Ah, bah, vous détendez pas de trop. Non. Oh, oh. Oh. Puis on va prendre l'air 5 minutes. On va le laisser se détendre. Hein. Oh. Ouf. Oh. Ça va. Je sais même pas si je vais y retourner. Hein. C'est con. Tu crois que si je le laisse mourir sur la table, ça fait. On va me le reprocher? Pas sûr. Hein. Aïe, j'ai fini. Ah bah oui, ça il a fini. Alors, c'est pas possible. Le sauteur est prenante. Oh, je peux pas rentrer là-dedans, c'est impossible. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Oh, attends, je sais, j'ai une idée. Je dois avoir de la menthe. Vous êtes docteur, s'il vous plaît, veuillez nettoyer aussi la zone. Mais ça, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Tourner, c'est... Là. Ouais, faut que tu nettoies. Ouais.
Ah bah il va se nettoyer tout seul, hein. Pour qu'on en est, vous pouvez nettoyer, s'il vous plaît. Ouais, ah oui, alors là, c'est insupportable. J'ai mis de la menthe sous mon nez, parce que c'est insupportable, cette odeur. Vous êtes infect, monsieur. Ah non, c'est... Donc, vous savez quoi? Vous allez aller vous nettoyer, parce que moi, je vous touche pas comme ça, hein. Ça, c'est pas possible. Si vous pouvez nettoyer, alors. Nettoyer, là, il y a la plaie. Quelle plaie? La cocouille. Ah ben ça y est, j'ai fait là, hein, c'est propre, vous avez fait caca dessus, c'est votre problème. Il y a un peu de sang. Comment ça y est? Les compresses. Ah ben si, oui, aujourd'hui, si, attendez, je vous en donne tout un paquet, attendez, voilà. Hop là, ça va. Hop. Je vous mets même le désinfectant dessus, vous tiens, allez-y, nettoyez-vous. Hein. Vous savez faire d'habitude tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle est douce, j'aurais tellement voulu me la faire celle-là. Ouais, bah dans vos rêves, hein, ça c'est sûr. J'ai dit où je l'ai pensé. Ah, allez. Vous l'avez dit tout fort, hein, j'ai entendu. Je suis désolé. Essayez de penser moins fort parce que sinon ça vient jusqu'à mes oreilles, c'est embêtant. Ouais, c'est bon, cela dit, votre doigt là, parce que bon, vos couilles, c'est réglé, hein, on va pas en parler pendant toute la journée. Oui. Ouais, bah je suis bien désolé pour vous si vous en manquez, mais vous vous dire qu'au moins, bah, vous aurez moins de difficultés à vous asseoir, peut-être, j'en sais rien. Une chose positive. Hein. J'espère que vous n'allez pas me juger, je vous assure que je peux encore procréer. Bah écoutez, on vous appellera Monoukouille et voilà, hein, tout ira bien. Qu'est-ce qu'il y a de marrant, toi? Tu peux rien pour attendre. Pendant que je m'absente, tu viens te la faire, hein, c'est ça, la petite loue. Mais, hein. Mais on s'est fait. Vu que j'avais des vues sur elle. Dites donc, calmez-vous, hein, moi je ne suis fait personne. Eh, hein. Hey, calmez-vous, hein? Bon. Dites-moi la vérité, Lou. Et je suis pas un objet qu'on se passe de l'un à l'autre. Hein. Moi, je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux. J'ai pas de compte à vous rendre, monsieur. Oui, mais vous l'avez fait. Si vous saviez ce que je sais sur à propos de cette personne. Mais je n'ai rien fait du tout. Et ce qu'a fait cette personne ne me concerne pas et ne m'intéresse pas. Dites-moi, dites-moi les termes. Vous avez fait quoi avec lui? Mais je ne le connais pas. Ensemble. Je viens de le rencontrer. Vérité. Je sais même pas qui c'est. Tu as on se connaît à peine. Hein. Je vois très bien les regards que vous échangez. Je reconnais ces regards. C'est les mêmes regards que j'avais avec une prostituée à l'époque, il y a quelques années, avec qui j'étais très complice, et que je me suis fait à ma entreprise. Même je lui ai mis la purée en pleine face. Ah. Oh. Bon. Alors, votre doigt, hein, donnez-moi... Dites-moi la vérité. Taisez-vous. Pour combien stop, tu le touches? C'est moi qui parle. Bas. Oh. Je crois que tant que tu restes là, ça va pas être possible. Tu sais... Moi et lui, on a une certaine... un certain vécu. Faites attention à cette personne. Tu veux pas que je trahisse ton secret, c'est ça, hein? Hein? Tu peux le dire. Butcher, hein, je sais très bien ce que t'as fait par le passé. Tu veux qu'on lui en dise un peu plus? Et toi? Nous sommes liés, toi et moi, tu le sais très bien. Dis-moi ce que t'as fait avec elle. J'ai rien fait. Un doigt? Juste un doigt, j'espère, pour toi. Faudra peut-être arrêter, là. J'ai rien fait avec elle. C'est bon, j'ai levé. Vous insinuez quoi, là, monsieur Lassie? J'insinue. Que j'ai couché avec toi. Que j'ai couché avec toi? Oui. Alors mais que moi, non. Non, je couche pas avec les gens comme ça, monsieur. Oui, c'est ça, je le saurai un jour ou l'autre. C'est votre jalousie qui parle, là, c'est rien d'autre. Je vais m'enlever, c'est bon, je me sens un peu mieux. Ouais, votre doigt, merci, ça va? Merci, en tout cas, oui, ça va. Écoutez, si tout va bien, c'est parfait. Mais tu vois, nous sommes liés jusqu'à la mort, tu t'en souviens? Alors, on va, je peux compter sur toi, j'espère encore. La tribu Wapiti est derrière moi maintenant. Oui, mais je suppose que tu as un code d'honneur. Nous sommes frères de sang. Tu sais, oui, mais toi, venir pas trop souvent, tu comprends. Si je dois attendre ta venue. Je t'ai jamais trompé. Tu sais très bien que j'ai eu quelques soucis. J'ai été racketté. On m'a banni. Tu le sais aussi. Moi aussi, m'a banni. Mais t'as surbondi. Regarde-moi où j'en suis maintenant. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Non, tu peux pas. Tu peux pas me laisser comme ça, Yati. On se connaît depuis tellement longtemps. Alors, Serge, j'ai pas été avec toi quand tu t'es occupé de ces cadavres. Mais sache que
je ne te trahirai jamais. Niyati, est-ce que je peux encore compter sur toi, Butcher? Pour compter sur moi, mais pas pour faire chose illégale. Oui, être chérif. Je ne demanderai pas ça. C'est juste que tu le sais, tu le sais au fond que, qu'ils avaient déjà une dent contre moi. Ils ont failli me tuer. Il faut que je compte sur toi. Il faut que tu me fasses confiance. Je t'assure que c'est le médecin Paco. Je t'assure que ça confie. On va aller au gouvernement. Nayati, s'il te plaît. Nayati, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Viens. Nayati, s'il te plaît, ne mets pas cette distance entre toi et moi. C'est ça, on t'a changé, c'est ça, t'as pris du galon. T'es plus le même. Monte, on va avoir gouvernement. Passez soirée là-bas tranquillement pour changer d'idée. Avoir de belles filles là-bas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'aurai même plus la même quantité de jus. Tu le sais très bien, avec une seule couille. Il faut que je m'entraîne. Il y a une seule personne qui a réussi pendant toutes ces années à avoir tant de jus. Avec une seule couille. Tu le sais au fond de toi. Oui, je le sais. Mais... un certain Chewbacca. Oui. L'homme au crâne chauve sans couille. Me dis pas que je vais finir comme lui. Je n'ai pas envie de finir comme lui. Tu te souviens de l'histoire des faux paris? C'était lui. Il a mal fini. Dis-toi qu'il a bouffé sa propre couille pendant toutes ces années. Petit à petit, il a mangé. Et milligramme par milligramme. Nayati, j'aimerais pouvoir te faire encore confiance, s'il te plaît. Je t'assure que c'est eux. Ce sont eux les coupables. Ils m'ont coupé un doigt. Ils m'ont scalpé la gueule. Qu'est-ce qu'ils feraient pour que je t'aide? Il faut absolument les ramener devant le gouverneur. Le gouverneur ne va rien faire. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi il ne ferait rien? Parce que c'est pas être shérif ou marshal. Il ne ferait rien, mais pourtant il est au-dessus des shérifs. Oui, mais il fait confiance à shérif et marshal. Mais tu es shérif maintenant. Oui. Mais être... pas encore shérif. Je suis... Ne dis rien. Nouveau. Tiens, prends ma couille. Et nous allons faire un serment. Serre-la. Serre ma couille. Non, je ne la prends pas. Si... C'est un serment de la couille, tu dois le faire, s'il te plaît. Lou, restez en dehors de tout ça. Demande à Lou à le faire. S'il te plaît, touche-la au moins. Non, je ne suis pas... de ce genre-là. Tu comprends? Très bien. D'accord, poursuivons ensemble alors. Te fais confiance. Comment les traîner en justice et pouvoir les condamner pour ce qu'ils ont fait, dis-le-moi. Comment va-t-on faire? Quelle stratégie alors? Allons-nous adapter? Adopter, s'il te plaît, Nayati. Écoute-moi. Es-tu là? Bien sûr. S'ils me retrouvent, ils ont promis de m'exécuter. Il faut absolument que tu te charges de ma protection. Je veillerai à te protéger. Lou, est-ce que je peux vous faire confiance? Oui. Pourquoi? Vous voyez, je suis une victime dans cette histoire. Mmh. Il va se passer des choses ces prochains jours. Mmh. Je tenais à vous dire que si, d'ailleurs, je vous le dis, je te le dis aussi, mon petit Butcher, s'il arrive quelque chose, ce seront certainement le docteur Paco et Leica qui auront été les auteurs de ce crime. Maintenant, vous le savez. Oui. Toi, avoir un cheval, ou je vais t'acheter un cheval? Achète-en un, s'il te plaît. Je reviens à l'eau. J'arrive. Je regarde le ciel, c'est si beau. Putain,
et dire que dans peut-être quelques jours, je serai sous terre. J'ai tellement souffert dans cette ville. Bon. Tu souffres dans beaucoup de villes, non? Oui, l'heure aujourd'hui est à la rédemption. Il faut absolument que je me reprenne maintenant. Tu le sais. Trouve Dr. Sully, Dr. Quinn et Tedron. Arrête de troller. Combien aussi. De sous sur toi? Plus de $300. T'as $300? Oui. Bah, tu peux t'acheter un cheval. J'avoue, j'aimerais prendre un vrai cheval. J'avoue, j'aurais dû. Dès le début, parce qu'à chaque fois, on n'arrive pas. Et je trouve que ça change, plus le cheval est cher, les gars, plus il a de l'endurance, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est casse-couille. Vas-y, j'en mange un bien, les mecs. Bien. T'es encore j'ai là, Merwan? Parce que là. La suite de l'épisode, je pense qu'on va se garder ça pour demain ou après-demain, les gars. Qu'on fasse ça bien, parce que ça se trouve, soit ça part sur une mort RP. Magasin. Soit ça part. Ouais. Ça part en couille, les mecs. Soit ça part bah, sur un ban. Est-ce que ça va être peut-être une roue Librax. American Paint, je prends quoi, les mecs? $500. Pire, les gars, je me dé. À chaque fois, je me fais racket aussi, je vais prendre un vrai cheval. Un arabe? Un arabian? J'ai 317, putain, ça suffit pas. Ardennes, 330, non. 200. Il y en a qui s'y connaissent en chevaux, les gars, ici? En cheval, non? Dans le chat. 320. Même un, 200, ah, même un cheval à $200, ça passe? Un pur sang, y'a ou pas? Divers. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Old Penco? Y'a pas pur sang si? Bon, je vais prendre un Palomino, un black, un cheval noir. On va voir ce que ça donne. Je vais l'appeler Choupa. Choupa, Choupa. Ah merde. Oh putain. Ça c'est bien, ça fait penser à Zoro, le cheval. Comment il s'appelait le cheval de Zoro? Attends, confirmé. Et je peux le revendre l'autre? Tornado, exactement. Voilà. Oh, être très joli, oui. Ah ouais, c'est la classe, ça. Tornado. Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Allons trouver les responsables. Tiens, je vais devoir partir. Je te fais honneur. Prends ça. Tiens, regarde dans ta poche. Il m'a donné quoi, les gars? Il m'a donné fusil. Quoi? Fusil. Ah, mais... Inayati, comment pourrais-je te remercier? Ah, en faisant si bon. Attention à toi. Oui. Attends, je grâce sais. À ce fusil, je pourrais chasser la vermine. Voilà. Donne-moi des munitions. Il y en a déjà dedans, normalement, regarde. D'accord, très bien, attends, je vais l'équiper. Vas-y. Mais c'est d'une telle beauté. Être calibre 12. Attends, non. Oui, il nous gênait depuis tout à l'heure. Bah c'est bon, il est parti. Je dois t'arrêter pas. De passe pour ça. T'inquiète pas, personne ne nous a entendu. Non. De toute façon, il est parti. Je t'amende. Sinon, je vais être corrompu. Tiens, prends amende. Très bien, je la prends. Il m'a fait une amende de $100, je vais péter un câble, je lui mets une balle.
de couleurs plus que ce truc. Faire attention à toi. Mais comment puis-je payer ton amende maintenant? Mais... Je ne t'ai pas mis d'amende. Ah, j'ai respect pour toi. Tu es si bon. Merci. Oula. On va voir la fille qui a la monocouille. Tu dois avoir pris pigeon d'hangar pour envoyer des télégrammes à Nayati. Pigeon? Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me parle de pigeon, lui? Quand tu vas dans car sur fer, gare de Saint-Denis, oui. Tu vas récupérer ta lettre. D'accord, je vais aller à la gare. Mon numéro de lettre, lettre 130. Notez bien les gars, 130. Tu m'as laissé un message, c'est ça? Non, en fait, faut que tu récupères ton petit cahier. Oui. Et avec ce petit cahier, à n'importe quel où tu te trouves, tu peux m'envoyer la lettre. D'accord, très bien. Voilà. Je vais récupérer ça tout de suite. Voilà, mon numéro 130. C'est à Saint-Denis, c'est ça? Où ça se trouve? Attends, je regarde sur la carte. Vers la gare. Merde, je suis nul ou quoi? Vers la gare, 130. À côté de la gare. Une genre en bas, vers les quais. Une genre de petite feuille blanche. Plus à droite. Bureau de poste, c'est bon. Voilà. Merci. Je t'en prie. Wakatepe Baboon. Wakatepe Baboon. Nous, je crois que nos chemins vont se séparer. Merci en tout cas pour votre aide. Mais de rien, celui-là-ci. Faites moins peur, ça va. Oui, je suis un homme nouveau, vous voyez. Je suis quelqu'un de très doux, faut savoir. Vous caresser dans le sens du poil, si vous voulez. Et puis pensez à t'habiller. Ouais, bon, j'ai pas très envie de caresser dans le sens du poil. Et en parlant de poil, hein, vous avez été servi tout à l'heure. Hein. Vous l'avez bien vu, je l'ai bien vu dans votre regard. Mais si, tu partais sur une bonne trace, matos, là. Hein. Voilà. Bon, allez, là, ici. Regarde là. Tu sais, à vrai dire, je t'en aurais pas voulu si tu te serais occupé de ton petit cul. C'est une femme remarquable. Et respect pour l'eau. Être très gentil. Ouais, je sais. Moi aussi, je vais avoir du respect avec... J'ai du respect pour elle, tu sais. C'est une femme très, très farouche. Très délicate, délicieuse. J'aurais jamais cru ça... voir ça... d'une noire, mais bon. Tu sais, tout est possible maintenant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Le ciel est en train de nous tomber sur la tête, ou... Est-ce Dieu en colère? Parce que... on dit avoir fait du mal. Ils m'ont fait du mal, tu le sais, en plus. Oui. Donc, pense à les récupérer. Truc poste, être numéro 130. Très bien. Et si... Mes respects, voilà. Monsieur le shérif, mes respects. À plus tard. À plus tard, oui. Elle reste là parce qu'elle kiffe le RP. Tu penses qu'elle est en train d'écouter ce que je disais? Elle a entendu quand j'ai parlé de son petit cul? Dans son mic. Plus à droite, il est sur le stream, le gars. Il est sur le stream, vous l'avez entendu, vraiment? Vous avez entendu un semblant? Ouais, parce que lui, il m'a dit qu'il me connaissait. Il m'avait DM. Il m'a dit qu'il me connaissait. Et il voulait m'aider. Ok, bon. Ouais, il est cool, Nayati. Attends. On voit un énorme gun. Ah ouais, je le déséquipe. Ok. Ok, comme vous voulez, je le déséquipe. Comme ça, on le crame pas. Voilà. Tranquille, tranquille, c'est une blague. Ça sent bon cette histoire, non? Merde, c'est la gare, c'est pas ici. Ah, j'ai pour le courrier, ok. Enregistrer l'adresse email pour 6,05€. Vous avez déjà une tapée une adresse. Tapez lettre. Lettre? C'est quoi ce bordel? Mail, lire le courrier. Envoyer une lettre. Destinataire, c'était quoi, 130, c'est ça? Si. Livreur des PD. Que tu es, je vais te retrouver. Nayati et ton
particules d'enfants. Merde. Destinataire. Ouais, mais je... envoie. Merde. Mauvaise adresse. Oh, il y a vraiment un pigeon qui s'en va. Vous avez déjà une adresse. Tapez lettre. Ah, peut-être il faut taper lettre et 130. Mail adresse. 145. Envoyer une lettre. C'est de la merde, ça. Mauvaise adresse. Bon, je sais pas comment ça marche. C'est pas grave, les gars. Femme de joie, c'est ça? Vous attendez votre mari? Ah bah... ah bah le pigeon, il est mort. Tiens, sale pute. Allez, respire, tu respires pas. Tu respires pas, salope. Espèce de sale clochard, je t'ai croisé. Je t'ai croisé hier sur l'application Lovo. Ouais, t'étais une grosse... je t'ai croisé hier, t'étais en train de... tu t'en es pris à Marc. Et tu t'en es pris à Jules également. Je le sais. Je t'ai croisé hier sur l'application. Salope. Pourquoi tu n'as pas excusé Jules? Tout ce qui mérite à ton égard, salope. Je sais que t'es une grosse pute. Allez, Meg, maintenant endors-toi. Ça défoule. Ah, je me sens bien, d'accord. John Lacey. Il y a un nouveau shérif en ville, désormais. Stop. Putain, quel jeu incroyable. Ceux qui veulent jouer le, qui veulent faire du RP des mecs prochainement, il y a le serveur, on prendra, enfin c'est après Cybel qui s'occupe des whitelist je pense après plus tard, mais je crois qu'au début il sera accessible à tout le monde. Ceux qui veulent faire du RP, ça sera dimanche normalement sur le nouveau serveur. J'espère que ça vous motive un peu à faire du RP, et pour certains je sais qu'il y en a qui